Il est le Tout-Puissant. C'est lui la source de ta vie. C'est lui le lever, le coucher. C'est lui le départ et l'arrivée. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui que tu vois. Que tu ne vois pas, c'est lui que tu vois. Quel nom est grand. Quel nom est vivant. Regarde le soleil. C'est la preuve que Jésus est vivant. Depuis que le soleil a été placé dans les cieux, le soleil obéit toujours. Tous les jours se lèvent. Tous les jours se lèvent. Mais les hommes passent. Le soleil demeure. Jésus vit à jamais. Il vit à jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton nom. Quel merveilleux Dieu es-tu, Seigneur Jésus. Tellement le monde a besoin de toi. Père, voici ceux que tu as choisis ce matin. Ceux à qui tu as donné l'honneur de venir dans ta présence. Qui peut venir dans la maison du roi si le roi ne l'invite? Ô roi de gloire, ce matin tu nous as invités. Nous ne sommes pas venus ici par notre progrès. Non, Seigneur. Nous sommes venus parce que, Seigneur, ta main nous a appelés. Ta main nous a conduits. Ta main nous a amenés. Et ce matin, nous sommes bénis de ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Même les choses dont nous n'avons pas conscience, tu le fais pour nous. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois béni. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous enseigne, qui nous révèle tout sur toi. Oh, qui nous donne cet esprit, merci. Merci, merci, merci d'amener Jésus dans nos cœurs. Merci de nous enseigner Jésus. Merci de nous rappeler, oui, la volonté de Jésus. Car nous ne connaissons que Jésus. C'est Jésus qui est en nous et rien que Jésus. Par toi, cet esprit. Le moment est venu, Esprit de Dieu, où la parole, la vie sera donnée. Alors, Saint-Esprit, confirme chaque parole dans les cœurs. Amen. Car tu connais les besoins de ton peuple. C'est toi qui conduis ce peuple vers la destination céleste. Alors, la nourriture qu'il faut ce jour, le pain de ce jour, toi-même, fais descendre ce pain. Seigneur, que ce pain, quand ils vont manger, qu'ils ne meurent pas. Amen. Quand ils vont manger ce pain, qu'ils ne soient plus malades. Amen. Quand ils vont manger ce pain, qu'il soit plus fort. Amen. Seigneur, merci. Nous plongeons tout dans ton sang. Nous prions que le sang de Jésus couvre ce lieu. Nous prions que le sang de Jésus couvre chaque personne comme un bouclier. Seigneur Jésus, du haut de cette chair, que ta parole descende avec vie. Seigneur Jésus, nous paralysons toute puissance occulte. Nous paralysons toute œuvre des ténèbres. Nous paralysons tout entendement maléfique en ce lieu. Tout raisonnement, tout forteresse, tout hauteur qui s'élèveront comme la connaissance de la vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, dans les chants, dans les derniers chants, il y a un chant qui m'a tellement impacté. Tous les jours, j'entends ce chant, mais aujourd'hui c'est différent. Mais pour aujourd'hui c'est différent. La manière dont je l'ai entendu, c'est un peu différent. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu ne prend pas quelque chose, vous allez chanter de manière ordinaire, vous allez prier de manière ordinaire, vous allez faire tout de manière ordinaire, mais ça n'aura aucun effet sur vous. Alléluia. Amen. La chanson dit, comment est-on Jésus? Alléluia. Chacun dit, mon Jésus est puissant. Que c'est nous dire, mon Jésus est fort. Mon Jésus est si. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je vous reposais la question. Ma chère, comment est ton Jésus? Comment est ton Jésus? Comment est ton Jésus? Ton
ton Jésus. On n'a pas dit comment est Jésus. Ton Jésus. Comment est ton Jésus? Lève-moi. Il est puissant. Tu veux donner la preuve? Donne la preuve que ton Jésus est puissant. On veut une preuve. Donne une preuve. Là, ah, Jésus de la salle est puissant. La chaîne de la nature, quoi faisant? Tu veux un témoignage qui fait que ton Jésus est puissant. Oui. Ta vie passée et la vie présente ne sont plus la même chose. C'est ça. Il y a un changement. L'expérience passée est différente de l'expérience présente. C'est ça, non? Alléluia. Alléluia. Je peux poser la question à d'autres, mais je vais m'arrêter sur elle. Comment est ton Jésus? On n'a pas dit comment est Jésus. Hein? Il y a comment est Jésus. Il y a comment est ton Jésus. Alléluia. Jésus est Jésus. Bon, je n'ai pas une doctrine. Hein? Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont cette doctrine, Jésus est Jésus. Quand on dit Jésus est Jésus, c'est que Jésus est lui-même. Amen. Lui, il ne change pas. La Bible dit, en lui, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Vous avez vu? Vous avez vu le soleil se lève, non? Quand le soleil se lève, il se lève avec l'ombre. Et l'ombre se déplace. Avant, autant des rois, autant anciens, il n'y avait pas de monde. Donc les gens regardaient l'heure à travers la position du soleil et de l'ombre. Amen. Mais Jésus, lui, n'a pas d'ombre de variation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le soleil se lève là, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de changement en lui. Il est le même. Amen. Alléluia. Il n'est pas influencé. Alléluia. Donc si on me dit comment est mon Jésus, c'est qu'on me demande quelle est l'expérience que j'ai fait avec mon Jésus. Que j'ai fait avec Jésus pour qu'il en soit mon Jésus. Alléluia. Si nous devons peser le Jésus de chaque personne, on va voir que chaque Jésus n'a pas le même poids que le Jésus de mon frère. Le Jésus qui est dans mon cœur n'a pas le même poids que le Jésus qui est dans son cœur. Alléluia. Le Jésus qui est en lui n'est pas le même que le Jésus qui est dans le cœur de la bien-aimée. Mais Jésus est Jésus. Jésus est le même. Mais comment se fait-il que Jésus n'a pas la même proportion, n'a pas le même poids, n'a pas la même influence, n'a pas la même puissance, n'a pas la même force dans la vie des uns et des autres? Alléluia. C'est là la question qu'on va se poser ce matin. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous soyons à son image. Alléluia. Il veut que nous soyons parvenus à son image. C'est pourquoi l'Église a été établie. Et Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'Église. Dieu ne peut pas communiquer avec la terre sans l'Église. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et l'Église ne peut rien faire sur la terre sans Jésus. Amen. Donc, si nous disons que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans Jésus, sans l'Église, alors l'Église est quoi alors? L'Église est son royaume. Amen. L'Église est son royaume. C'est là que Jésus va commencer par leur parler quand il était encore sur terre. Il va leur dire, mon royaume n'est pas de cette terre. Alléluia. Donc l'Église n'est pas de cette terre. L'Église n'est pas de ce monde. Quoi qu'elle est dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? En réalité, c'est que l'Église, c'est le corps formé par Christ. Mais ce corps rassemble tous ceux qui sont sortis du monde. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Lorsqu'on sort de l'Égypte, on va quelque part. C'est ça, non? On va quelque part. On va où? Quand on sort de l'Égypte, on va où? On va où? On va à Cana. Alléluia. Vous savez, toute l'expérience que Israël a vécue là, c'est une leçon pour chaque chrétien. C'est le même cheminement. C'est-à-dire que le Seigneur a rendu les choses spirituelles en choses physiques. Pour que nous puissions, par le langage physique, de comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Cana était la terre promise à Israël, qui était sous la captivité, mais dans la captivité. Alléluia. Et
On l'a dit, Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Qui ne veut pas aller dans ce pays? On dit pays où coule le lait et le miel. Donc, eux tous ont pris l'engagement d'y aller. Mais est-ce que tout le monde est parvenu? C'est la même question aujourd'hui on se pose. Est-ce que tout le monde ira à la fin? Alléluia! Pourquoi Israël n'est pas allé à la fin? Pourquoi Israël n'est pas venu sur la terre? Ceux qui ont vu la gloire de Dieu, pourquoi ils ne sont pas venus? Et c'est leurs enfants qui sont venus. Ceux qui ont reçu la promesse, eux-mêmes ne sont pas venus. Mais ceux qui n'ont pas reçu la promesse, c'est eux qui sont parvenus. Dans ce matin, nous allons, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons enseigner sur quelque chose tellement banal dans la vie chrétienne. Et si on ne vous rappelle pas chaque jour, on va beau vous enseigner prospérité, combat spirituel, mais vous n'irez pas à la terre promise. Alléluia! Vous n'irez pas au ciel. Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Mais Lazare vit encore. On peut aller voir ressusciter Lazare. Lazare encore d'Israël. On peut aller voir Lazare. On peut aller voir Bartimée que Jésus a guéri. Bartimée où? Bartimée où? Me répondez-moi, Bartimée où? Bartimée est mort, non? Lazare où? Lazare est mort. Mais pourtant Jésus l'a ressuscité. Pourtant Jésus a guéri Bartimée. Pourtant Jésus a guéri des lépreux. Mais eux tous sont où? Ils sont morts. Ça montre que les miracles n'amènent pas au ciel. Alléluia! Les miracles n'amènent pas au ciel. Les guérisons n'amènent pas au ciel. Ils ont vu des miracles dans l'Égypte, mais ils ne sont pas allés à Canaan. Pourquoi? Alléluia! Donc, la clé pour entrer au ciel, c'est ça qu'on va vous donner ce matin. S'il y a un message qu'on doit vous donner là, c'est ça. Nous sommes des candidats au ciel. Alléluia! Nous sommes des pèlerins et nous marchons, nous courons vers cette belle carrière qui nous est ouverte. La Bible n'en parle dans Hébreux. Amen. Ce matin, nous allons enseigner sur la vigilance. La vigilance. La vigilance du croyant en route pour le ciel. La vigilance du croyant en route pour le ciel. Nous allons prendre quelques versets qui vont nous aider à conduire cet enseignement. Amen. Mais avant de commencer, toi, mais tu vas faire cette prière. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu as dit Saint-Esprit. Répète avec moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ce matin. Rends-moi vivant. Rends-moi vivant. Tout mon être entier, soumis à l'écoute. Ce matin, toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel, que cette parole le pénètre. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu as fait cette prière. Rends tout mon être entier vivant maintenant. Seigneur Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, rends tout. Dis Seigneur, envoie ta lumière dans mon cœur. Envoie ta lumière dans mon cœur. Pendant que la parole sera en train d'être donnée, que je ressens la parole dans la lumière. Que la parole ne soit pas pour moi ténèbres. Prie. Seigneur, envoie ta lumière dans mon cœur ce matin. Envoie ta lumière dans mon cœur. Et donne-moi l'intelligence de comprendre la parole. Que la parole ne soit pas pour moi de parabole ni de mystère. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Asseyez-vous. C'est très important. La Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. De
ne pas donner assez au diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous n'ignorez pas ces desseins. Vous le connaissez. Vous connaissez bien le diable, vous connaissez l'adversaire. La Bible dit que il rôde, il fait des ronds. Il cherche des occasions. Alléluia, pour frapper, pour entrer. C'est pas la Bible dit, soyez sobre et vigilant. Lisez-moi 1 Pierre 3, le verset 8. Fait des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion. Non, 5. Oui. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient. Oui, 1 Pierre chapitre 3. Je dis 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mm-hmm. Continue. Résistez-lui avec une foi ferme, mm-hmm. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mm-hmm. Continuez jusqu'à la fin. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ mm-hmm. à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 8 ans, soyez comment? Soyez sobre et veillez. Dans toute version, on va vous dire ceci. Je prends version de parole de Vicky ceci. Soyez sobre. Restez éveillé. Soyez sobre. Restez éveillé. Alléluia. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que le voleur n'a que 3 missions, voler, détruire et égorger. Alléluia, c'est sa mission à lui. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Connaissant l'ennemi, connaissant le diable, alors nous, comme Israël, nous avons pris la décision. Mais là, il a dit, Israël, il a mis des bêtas. Nous avons pris le chemin, misé à Yola, d'aller au ciel. Vous vous rappelez, lorsque Israël a pris le chemin, mais frère, Israël vit là, il a Yola, dit le Cana, à Yola Cana, ton habiti, Bibelido, Cana, Cana, il y avait des habitants du Cana. Et non, mais maintenant Cana, ton est tout coloré. Alléluia. Et c'était des personnes, c'était des habitants que l'Éternel voulait châtier. Bon, maintenant, t'es là, bon, maman, et bien, repos, bah, être bon. L'Éternel voulait chasser le Canaan. Mais vous m'avez gagné son Canaan si tombé. Pour faire habiter Israël. Mon amour, t'es Israël venu tout le monde. Alléluia. Le Canaan a été pour nous. Et le Canaan a dans le ciel. Où servait tout le monde. Alléluia. Amen. De la même façon qu'il y avait des habitants à Canaan qui étaient chassés. Donc, bon, voilà le boulot de. Mais dès le type, le Canaan a gagné un temps. Aussi, c'était des habitants au ciel. Mon amour, mais dès le type, le servait. Qui étaient chassés. Bon, il y a un. Pour que nous. On aille habiter. Non, mais il a nous monté ici donc. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais voilà. Le message de ce matin, à fond des rétents, je vais t'inviter nous à prêter oreille. Annie, pour toi, sur l'attitude de, ou alors, que tu dois avoir de Adonando, malgré tout ce que tu fais. Seulement, ne me pèler ou atteler. Tu peux même entrer en toi. À ce grand plein, il y a demain. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, quand tu parles à Dieu, prends le temps d'écouter ce que tu dis à Dieu. Alors, chaque jour, quand tu viens devant Dieu, prends le temps de t'écouter. Tu vas te rendre qu'un jour, tu dis la même chose. Tu dis la même chose. Tu dis la même chose. Tu viens toujours dire la même chose. Tu viens toujours présenter la même faiblesse. Tu viens toujours présenter la même situation. Tu viens toujours exposer les mêmes péchés. Et donc, il y a un problème. Et là, il y a alors, pour clarifier, ça montre qu'il y a une emprise
Alléluia, de l'ennemi quelque part dans ta vie. Et qui échappe au contrôle. Alléluia. C'est pourquoi tu as été tenté là à Tiflin. Parce que tu as baissé la garde. Même les états, les pays que nous voyons là. Et donc, on peut les chaque pays a sa frontière. On peut les plein de frontières, non? Et donc, de bois. Ils mettent des agents. Bon, et donc, c'est ça. Ils mettent les douaniers. Et donc, c'est avoir foutu. Ils mettent des militaires. Et donc, c'est. Les frontières. Donc, de pourquoi ils font ça? Et là, tout le monde m'a dit, c'est pas plaisir, ils font. Et moi, ils jouent, et moi, ils jouent, et moi, ils jouent. C'est pas plaisir, ils font. Mais, jouent, nous, ils jouent, ils pourquoi ils le font? Et là, tout le monde. C'est pour quelle raison? Et dans toi, pourquoi ils mettent les douaniers, les policiers aux frontières? Et dans toi, nous aimons pour nous l'aider, donc où est-on l'aider? Donne-moi une raison, il y a beaucoup de raisons. Donne-moi une raison. Pourquoi? Pour la sécurité de ces frontières. Pour la sécurité des frontières, c'est ça? La sécurité du pays. Du pays, d'accord. L'intérieur, l'entend. On barricade les alentours et on l'aide et on l'aide pour que l'intérieur soit en silence. Ni monter tito à la pour qu'il n'y ait pas de pour qu'il n'y ait pas de choses interdites entrées. Nous réemandons et nous émandons bien mes ça c'est le comportement des nations. Et ou alors à quoi t'allais-tu nier? La Bible dit que la nature elle nous enseigne. Bible dit aïro si nous les papas nous pour et tout pays mais ses enfants ont tout des pour et nous c'est quelle que soit la fraternité qui le lie à ton pays, ça n'empêche pas le contrôle. Ça n'empêche pas de mettre des barrières. Ça, c'est le comportement des nations. Et alors, oh, la Bible dit que nous on est au-dessus des nations. Toutes ces choses c'est pour nous. Et la nouvelle est pour mieux l'être autour. Donc la Bible nous demande de nous comporter comme les nations. Bible le bateau il a mis un ministre en train à côté de lui dans nos ailes. Parce que quelqu'un veut forcer le passage. Mais les gens pleurent pour l'ombre. Mais quand il va venir, avant vous allez le voir, c'est pour voler. Ni moi t'es affiné. C'est pour prendre. Ni moi t'es ancien de baïton. C'est pour détruire. Et moi t'es arrêté. C'est pour distraire. Elle est montée à Zéaoudé. C'est pour détourner l'attention. Elle est montée à l'air à y ramener ton son de l'air. Et c'est ça le but du diable aujourd'hui. C'est de détourner l'attention du peuple. Elle est dans la vraie destination. Il est son fille au milieu. Lui-même, il crée une destination. Où en soubran, elle est dans. Il faut nous bien. Alléluia. Amen. Il crée une destination. Et on s'est fait une médaille. Et il place les chrétiens sur cette route là. Bon, et on a dit Christian dont a eu un tour d'énergie. Et le chrétien parle ça. Bon, on coupe bon Christian. Et on a fait le sur la bonne route. Et donc les amis toi il dans le dit. Et il est fier. Bon, revenez ton oui. Et il est convaincu. Bon, et on donc a dit. Alléluia. Amen. Pense. Bon, il est sur la bonne chemin. Et mettez toi il dans le dit. Quand elle déclarait par le va pour dire mon ami tu te trompes. Voilà là mais ton vous en êtes là pour vous à toi il est où? Il va lui dire elle donne mon frère non il dit je préfère mourir ici. Et oui ben la pour vie. Je suis né ici je mourrai ici. Oui et tu me donnes fil pour vie. Parce que je suis convaincu de mon chemin. Donc quand il va il te dit il est convaincu. Et donc quand il dit donc ce que tu dis ça va rien changer. Non là il y a des malades du côté côté ouais. Parce que le diable a montré un destin. Donc que toi qu'on doit vivre nous derrière. Alléluia. Amen. Après dit que lorsque les fondements soumets la grenade dedans l'erreur, que fera le juste? Et t'as la dit. Lorsque ce qui doit te garantir t'amener à la destination. Regarde, n'est pas révolté. Si faut en rappeler, et ta destination sera aussi corrompue. Et donc, si faut nous tourner sur notre NAI Boubou. Alléluia. Amen. Si vous voulez, examinez vous-même. Faites le bilan de votre vie. Depuis que vous êtes venu. Mais bahi à Christ, Bible, son limitant, vous devez prendre droit à Christ. Minotez. Évaluez le chemin, évaluez le bilan, évaluez le parcours. Mais bon, dire, à Yodé, mais qu'on s'en posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé? Mon caram, il est intervenu. En quoi je suis différent? Intervenu, une bonne beauté. De ma vie passée. Maintenant, besoin tu es ouais. Je suis différent des gens. Et bon bonhomme, mais démêlé. En quoi je ressemble à Christ? Intervenu, dit Christ. C'est pas la question que vous vous posez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le diable a tout mis en place. Eh bien, t'es dans ces lèvres pour nous détourner.
été. Du chemin du ciel. Pour cet il va enlever même la mentalité du ciel. Non, mais directement, il va le faire croire que oui. La terre sera transformée. La vie s'arrête sur la terre. Il va créer une mentalité terrestre. De l'esprit des gens. Et ça rentre dans nos cultures. On est dedans, on grandit dedans. Alléluia. Amen. Et vous dites, parfois même, c'est voilà là. Ils vont dire ben mal yom. Alléluia. Ils ont dit, et là, ils te diront que la vie n'est pas dans la tombe. Ça sera midi. Ça me dit c'est ici. Elle a que Aïba dit fuir. Sors avec la femme que tu veux. Vois la quantité de bien que tu veux. Nous arabi à des joueurs de Dieu les beaux. Alléluia. Amen. Vis comme tu veux. Utilise comme tu veux. Zan, tu perds ton temps. La vie c'est ici. On peut vivre ici. Alléluia. Amen. Mangeons, vivons. Demain, nous mourrons. Mais nous. On s'en vient un coup. Donc, la vie là. On est là. La Bible dit si c'est dans cette vie que nous espérons. Nous sommes les plus malheureux. Les plus malheureux. Alors, miouga. Ça n'est pas ce que ce que la vie. Alléluia. Amen. La vie commence après la mort. Dis à celui qui est à côté de toi. La vie commence après la mort. La vraie vie commence après la mort. Alléluia. Amen. Pour certains, on va le dire. Et non. Oh. Dieu là. Dieu esprit. Maou Bougoué. Dieu ne regarde pas le corps. L'esprit. Oh, big boy. Le corps sera détruit. Abbasana, il est le corps est poussière. Abbasana, la poussière. Non, quand il fait, ça fait. Je peux faire ce que je veux avec mon corps. C'est un autre raisonnement. Et donc, Robidonné voulait manger. Détourner encore. Le corps c'est laid. C'est vrai, le corps sera détruit. Nous, boy, Abbasana, il est blé. Attention. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que les hommes ne comprennent pas. Alors, n'est-il pas que tu as vous expliquer ça. Alléluia. Amen. L'homme là. Béton. Ami nous a dit que l'homme a trois dimensions. Et nous, bon, nous attendons. On ne peut pas les séparer. Et mais comment il. C'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3. Et mais il Ode, le poids sera ton. C'est unité. Et donc, bon, été. Mais qu'on peut analyser sur trois angles. Amen. Il y a un bégé. Donc, à part oui, à pouvoir ton main. Alléluia. Amen. Lorsqu'on enlève une partie, et dans l'IMD, toute la partie disparaît. Et donc, dès qu'on est bien au bout, je reprends. D'accord, ben. Non. Et donc, béton. Et la Bible nous dit qu'elle est sur trois dimensions. L'esprit. Et donc, dis-donc. Là. Allez donc. Et pour le. Abbasalambo. Alléluia. Amen. Si vous voulez, on peut réduire ça. Mais évidemment, à deux éléments. Mais d'abord, zéwa, là, à part Yahweh. Elle est composée de deux éléments. Béton et pilot, à part Yahweh. Un élément matériel. Et non, à part Yahweh, on appelle ça la matière. Néguéganda, ce qu'on peut toucher. Néguéganda, là. Il y a maintenant l'élément immatériel. Et non, Néguéganda, là. Néguéganda, là. Néguéganda, là. L'esprit. Oui, oui, bon. Dans la Bible. Je ne veux pas trop rentrer en profondeur. Là, on parle de l'âme, parfois on parle d'esprit. Parfois, c'est un peu mélangé. Mais ce que je veux vous dire, en parlant de ça, c'est quoi? Alléluia. Amen. L'homme ayant ces trois dimensions. L'âme est au milieu. Et donc, allez de l'autre côté. Alléluia. Amen. L'âme est au milieu. Allez de l'autre côté. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'âme, c'est quoi? L'âme, allez de l'autre. Vie dans le sang. Alléluia. Et oui, est dans vos mains. Amen. Amen. Lorsque le sang coule, c'est l'âme. Et donc, ni au routeau, allez de l'autre. La vie qui est en train d'être donnée. Pourquoi là, où est-ce que bon? Alléluia. Amen. Mais, amen. Lorsque Dieu a créé l'homme comme ça, Alléluia. Amen. Dieu veut que l'homme s'approche de lui. Et Dieu n'a pas ton lycée quoi. Alléluia. Amen. L'homme va s'approcher de Dieu comment? Non, c'est quoi Dieu? Dieu esprit. Dieu est au big boy.
Donc naturellement l'esprit doit s'élever vers Dieu. Et ben alors, suivez-moi bien ce que je dis. Et là, mais ton doigt est c'est, aussi, c'est aussi un chemin de délivrance pour cet être. Alors, aïlo, quand ton âme est délivrée, Dieu esprit, Dieu y a le biboy. Donc l'esprit de l'homme est naturellement proche de Dieu. Donc maintenant ton est ton être c'est quoi encore? Alors si je dis tant que l'esprit l'âme et le corps sont un, bonindo, à biboy, alindo, à basalo et tirobo. Si l'esprit s'approche de Dieu, ni biboy aussi c'est quoi encore? Ça voudrait dire automatiquement quoi? Eh ben alors ton mon quel est? Ça veut dire quoi? Eh ben l'âme et le corps aussi. Alindo, s'approche de Dieu. Et toi aussi c'est quoi encore? C'est ça ce que vous avez dit? Ne nie. Me suivez là. Donc les deux sont en train de passer par ce qu'on appelle la conversion. Le travail de Jésus là. Et alors, ça concerne notre esprit. Et alors, la rédemption de notre âme. Et alors, c'est quoi dans ton âme? Alléluia. La rédemption de notre âme. Et alors, c'est pas notre marche. Alléluia. Et alors, son limite d'aller. Lorsque l'esprit s'approche, l'âme aussi s'approche. Le corps aussi s'approche. La personne aussi s'approche. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Maintenant, l'âme a une partie de l'esprit. Et à part le petit a une partie du corps. À part le petit de l'esprit. Suit deux lois. Et alors, Ali de loi, et le rodo au Sénat. Est sous la loi de l'esprit. Et le titre au Bibasi au Sénat. Ou est sous la loi du corps. Kabi, et le titre à Bassala sur le Sénat. Si l'esprit arrive à contrôler l'âme, alors l'âme suit la direction de l'esprit. Et donc, Zizino, Ali de loi. Ça veut dire que nous suivons la direction de l'esprit. Et bien, le rodo, Aïlo, Dieu y a le temps. Mais, Amon, si c'est le corps, ni à Bassa. Alléluia. Amen. Si c'est le corps qui exerce plus sa loi sur l'âme, l'âme tire vers quoi? L'âme tire vers quoi? Aller de là vers le corps, vers la terre. Et si l'âme tire, l'âme a une partie de l'esprit. L'esprit aussi est déconnecté. C'est là que l'âme commence pas à mourir. Il a été sauvé. Et mon regard lui-même a choisi de retourner encore dans les ténèbres. Parce que le diable lui a dit non, Satan ignorait que Dieu ne tient pas compte du corps. Non, au cours de mon corps, il peut faire ce qu'il veut de son corps. Et dans un des jouets, quoi, de son corps, il est là aussi. Et l'esprit aussi, à Bassador, et il se voit là sur le rodeau. Maintenant, quand vous avez vu la révolution que le diable a mis en mise sur place, ben, mais comme on biblé, mais biblé des enveloppes. On peut, on peut s'habiller comme on veut. On peut traiter son corps. Et bien, le deuxième piège. Et alors, au mont, à l'étalonnier. Et le question d'être vigilant. Bon, il sait non. Et donc, dis-toi, tu dis, même si le corps, et toi, à sa body, doit être détruit. Ni pour le moment, le corps garde l'Esprit Saint. Ni à Bassalon, donne la vie, caca de dit, et ton biba, oui, rété. Pour le moment, le corps garde l'Esprit Saint. Ton fils est dit, biba, oui, tito à Bassalon. Et le jour de la mort, bon, vous n'êtes pas au coup si à Sanawa. Alléluia. Amen. Le corps va certainement retourner à sa place. À Bassalon, quoi, il a fait fumer. Alléluia. Amen. Mais là, va suivre la direction de l'Esprit. Amen. Allez, donne un rodo, à Yulo, biba, oui, biba, ton. Donc ça veut dire si l'esprit était en permanence avec Dieu, écoute, va sur la direction de Dieu. C'est là on parle du paradis. Et bien dans un rodo à Yobibola, paradis. Mais il va manquer quelque chose. Il va manquer quoi? Le corps. C'est pour indiquer la résurrection. On aura un nouveau corps. Pour que tout reprenne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre corps aussi compte beaucoup. Et d'autres et le diable a détruit l'attention de beaucoup. Bon. Que ton elle a l'air mais ce souci il est sur un passage. Tu peux faire ce que tu veux de ton corps. Et non, il y a un déjoué. Il y a un déjoué. Regardez bien ce que l'apôtre Paul va. Et dans mes temps, n'est à poser quoi dans la loi. 1 Corinthiens 9, le verset 20. 1 Corinthiens 9, le verset 20. 1 Corinthiens 9, le verset 20. Que le Seigneur rafraîchisse la salle. Et là, on a au coup non ni confie faire de nos colombes. Vous dites, tu veux y aller toi? Mieux de toi. C'est la présence du Saint-Esprit. Et là, il y a l'esprit de Dieu là. Et là,
Même si vous suivez l'eau là, alléluia, amen. La marque du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dormir. Donc maintenant, alléluia, amen. Mais si c'était rafraîchi là, climatisé là, climatisez-moi. Les gens sont là. Maintenant qu'on est au table, on dormit depuis. Maintenant qu'on est au table, alléluia, amen. Acclamons le Seigneur. Bon Jésus. On dit Seigneur, on compte encore la chaleur. Et là, on coule. Mais je l'ai mis sous le bras. Alléluia. Soyez bénis. 1 Corinthiens chapitre 9. Oui, le verset 24. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade. Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Suivez bien. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Regardez bien ce que l'apôtre Paul va dire. Mais quand on est l'apôtre Paul va dire, on reprend le verset. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est le grand Paul qui parle ici. Et alors, apostle des milieux là, de Rodon. Paul. Celui qui a entendu des choses ineffables. Paul dit c'est nourri et maigrantis, mais des choses qu'il n'est pas permis à l'homme d'entendre. Celui qui a été ravi au troisième siècle. Celui qui a vu la gloire de l'évangile. Celui qui a plus travaillé plus que. Apostle dit là, c'est lui qui a parlé ici. Où est ton Rodon, fille? Il a dit quoi? Et alors? Et je le tiens assujetti. Vous avez vu? De faire... Non, pas doucement. D'accord? C'est mon rythme, ça vient. Il dit, mais je traite durement. Et alors, Emile en fier le coulo. Il n'a pas dit je traite mollement. Je traite durement mon corps. C'est Paul qui parle ici. Paul est au Rodolphe. Tout le monde pouvait parler comme ça sur Paul. Mais là, quoi, c'est grand au Rodolphe. Parlez-vous. Alléluia. Amen. Tout le monde dit, si Paul pouvait être rejeté là, donc personne sera sauvé. Et la sera sauvé. Et il a un bec au Paul, Goto, à Saint-Goto, il va là. Mais les mamans, j'aime regarder. Parce que c'est le plus scellé de tous les apôtres. Et alors, Paul, apostle, il doit papa, tant au bien, et même bien. C'est qui ont fondé l'église. Et alors, à Gouetolé, où est-ce que à Boutique B. Alléluia. Amen. Dans acte des apôtres, on a plus parlé de vous. Apostle, il est tombé. Il est dans où est ton rouge, hein. Apostle, il est zéro. Le Nouveau Testament a plus parlé de lui. Il est là, alléluia, il est. Mais c'est lui qui va parler ici. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je ne sais pas. On caprice du corps. Mais je le traite durement. Je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. Je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Et alors, mais j'en suis totalement maître. Et alors, Emily, il a la maîtrise de son corps. Il a la maîtrise de ses yeux. Emily, il a la maîtrise de ses oreilles. Alléluia. Amen. Et m'a dit. Alléluia. Amen. Et dit. C'est quelqu'un grave, ça fait peur. Il dit, de peur d'être moi-même rejeté. Debout maintenant, à il y a béni. Frère, Novi, tu sais que tu presses le retour de Jésus. Mais alors là, quand il est Dieu sous ton. Tu sais que tu dis au païen. Mais alors, considère, il est bon. Tu serais parti. Mais il est bon. Jésus revient. Dieu sous les bonnes. Qui a l'enfer et le ciel. Et alors, qui fait chaud en enfer. Et alors, tu déclines.
mieux l'enfer. Mais ce passage doit aussi être pris en compte. Vous savez ce qui est arrivé à Moïse, non? Moïse a prêché Canaan. Moïse est la Canaan. Alléluia. Amen. Moïse a reçu la loi. Moïse est ici. Il a prêché. Elle a il a cherché Israël. Mais est-ce qu'il allait à Canaan? Il a été rejeté. Et après, il a parlé. Aaron. Aaron, le grand sacrificateur, le premier souverain sacrificateur, il a aussi rejeté. Pourtant, il a prêché. Pourtant, il a enseigné. Pourquoi? Vigilance. Vigilance. Une petite chose. Un grand temps. Alléluia. Une petite chose peut faire tomber un grand temps. Et dans nous pas éviter si gazé, ben toi d'Aoudjani. Et c'est ça qui a fait tomber aussi Moïse. Et là où est Moïse, où est Moïse Gani? Alléluia. Amen. Lisons Exode. Mais il y a oui Exode. Exode 19. T'as quoi au repos? Je veux qu'on fasse d'abord escale dans Nombre. Oui, Nombre, lettres. Ah, faut continuer d'abord. Oui. Chapitre 19, Exode. Merci. C'est pour mieux. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campait là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oui. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance. Lis-moi Deutéronome 32, 52. On va encore revenir sur Exode 19. Deutéronome 32, 52. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays. Vous avez vu? Mais bon. Tu vas beau parler le ciel, mais toi, mais tu ne rentres pas. Alors, serveur ou grandi, tu vas rentrer. Alléluia. Amen. Il dit, tu verras le pays devant toi. Et là, amont, de nous conduire. Mais, alors, tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amanawa, bien, au tonné, non, au vie, Israël, pour l'aide. Chrétien. Chrétien, non. Non, vie. Alléluia. Amen. Nous sommes de parler ce matin. Au cours de notre vie, à fond, tu as beau être enlevé pour aller voir les merveilles du ciel. Il va servir. Bon, amour, nous avons dit que tu as témoigné. À des coups mettants. Mais si tu ne sais pas faire, à mon nom, tu n'entreras pas. À mon ambiance. Alléluia. Amen. Tu n'entreras pas. À mon ambiance. Si tu ne fais pas sur toi-même, ni à mon nom, nous allons présenter au dit. Tu n'entreras pas. À mon ambiance. C'est une petite chose qui a fait. Alléluia. Et la petite vie de raison. Bon, à Moïse. Ma ambiance, quand ainsi tombe. Petite chose, une paix vidée, petite colère, a dit paix vidée pour qui ça? Et bon, tout Canaan à Moïse,
Petite chose. Bien, mais c'est pas une grande chose qui va te faire perdre le ciel. Mais alléluia. Amen. Satan sait que tu connais les grandes choses. Satan, tu connais les grandes choses, tu connais les intérêts, tu connais tout ça. C'est que tu vas pas mettre mèche, c'est ça. Même s'il vient avec mèche en sommet, en rêve, tu vas rejeter. Il va pas utiliser ça. À moi, ma zèle. Mais tu oses. Et là, ça me dévoue. C'est pourquoi il dit veiller. Où est-ce qu'on bébé domine la vigilance. A tiens dit ni non. La vigilance. A tiens dit ni non. 1 Corinthiens 10. Où est-ce qu'on est total? 1 Corinthiens 10. Et là, on va commencer. 1 Corinthiens 10. Vas-y. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Alléluia. Amen. Qui avait dit frère? Elle a envie. Je ne veux pas que vous ignorez. Ma Jona meni tito numa nyueme. Alléluia. L'apôtre parle de parler à qui? Mais là ouais. Paul te redonne ton fils. Aux Corinthiens. Non, Corinthiens les. Ceux qui ont été sauvés. Mais mon regard les. Ceux qui ont été sanctifiés. Mais il y a les classes où il est. Ceux qui ont été moins. Mais il y a des voulaient. Ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Mais mon gigo, tu vois, il y avait ton. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais Goff la pauvre de Paul parle. Il est même. Paul te redonne. Alléluia. Amen. Tu peux être rempli de tout ça et encore dans l'ignorance. Avant, si encore pour que vous soyez mort, Israël a été sauvé, oui ou non? Mais Israël m'a mon regard. Israël n'a pas été sauvé. Israël m'a mon regard. Israël a été sanctifié, oui ou non? Israël, il y a clés, oui ou non? Il a dit, je t'ai séparé des peuples pour que tu m'appartiennes. Pour que tu m'appartiennes. Alléluia. Amen. Je serai ton Dieu. Tu seras mon père. Il a été sanctifié. Et mon classe, vous voyez. Israël était ouais. Et là, il y a eu mon loin. Israël. Et là, il y a eu Méliletier. Israël a tout vu, a tout reçu. Israël, on l'a pour lui, on l'a dit. Même chose. Non, pour l'aller. Ce matin, nous allons partager l'expérience d'Israël. Après, évidemment, même Israël, il y a eu mon loin. L'expérience. Et là, on va appliquer dans la vie chrétienne. Évidemment, Jésus est ton bon, c'est donc Christian. Et c'est ça la Bible nous dit ce matin. Bon, et là, où tu es, Bible est là. Non, dit. Écoutez bien, misé. Frère, non, oui, je ne veux pas, Majora, que vous ignorez. Mais n'était ton ouvrier. Alléluia. Amen. Que quoi? Ben, que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Voilà. Israël avait dit qu'il est passé Israël, sous la nuée. Il est bon. À quoi pour la gloire? La nuée, c'était la gloire de Dieu qui les accompagnait. Ils ont été. Ils ont été conduits. Tout à l'heure, ils ont dit quoi? Ils ont été transportés sur ses ailes. Alléluia. Amen. Il les a transportés de l'Égypte. De la maison de servitude. Comme toi aussi. Il t'a transporté du royaume des ténèbres. Pour t'amener au roi dans le royaume de la lumière. Alléluia. Amen. Il dit, et non, je ne veux pas que vous ignorez. Madonna, non, mini wati to vime. Que quoi? Dans l'été, nos pères ont tout mis dans l'air. Ont été conduits sur la nuée. Il était et quoi? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vous avez vu? Mais moi, ils sont passés au travers de la mer. Je crois bon. Ceux qui s'y expliquent mieux. Continue. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Très bien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais mon coup de Israël vilain a quitté l'Égypte. Il est en son Égypte. Et ils étaient face à la grande mer. Bon, il y a un titre de nos connards au bout d'un an. Si tu rentres dans la mer, tu vas mourir. Il y a un peu de temps. La mer symbolise la mort. Au roulant est à Ivy. Au coup. C'est la mort. Et là, la mort qui a dépouillé du péché. C'est là le péché. Est enterré. Et leur fille est dit, il a donc tous ceux qui vont traverser la mer. Et leur maintenant, tu es à part. C'est eux qui ont fait l'expérience du baptême. Il est là, bon, si Bibassi, t'es pour la main. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui était Égypte en eux. Et leur n'est pas de voir. Meurt dans la mer. Et leur coup de boulot. C'est pourquoi quand Pharaon et son armée. Où est-ce que vous êtes Pharaon? Mais avez suivi. La Bible dit que vous ça. Péri! Mais là, il n'y a pas traversé la mer! Il m'a assez un boulot! Quand ils sont rentrés, ils ne sont plus aussi. Il m'a battu. Ils sont morts. Alléluia! Amen. C'est le symbole de la mort du péché. Et alors,
Et c'est ça, on doit te rappeler. Bon, oui, mais ouais, frère, donc, hier tu étais comme ça. On sort à titolé. Tu faisais ci. Ah non, allez. Tu faisais comme ça. Ah non, allez. Mais, amen. Tu as été baptisé. Et allez, il y a aussi. Et tu as devenu une nouvelle personne. Ah ouais, vous mettez le Alléluia. Amen. Donc, en réalité, cet avertissement. Et alors, à passer mon coton est en train de rappeler à chaque personne. Et va te fifler, mais au colo, vois, est-ce que tu es encore dans la foi? Bon, à d'être une yisséméa, examine-toi encore. Bédé de l'ogo, pour voir si tu es encore dans la foi. Mais pour n'y abéter au yisséméa, si tu es encore dans la vérité, n'y abéter ton rôle ou bolomé. Lorsque la tombe va sonner, si Jésus revient, n'y guère sur la croix, est-ce qu'il va tout te trouver dans la foi? Mais un abéma au yisséméa, est-ce qu'il va tout te trouver? Mais un abéma oui, dans la scène d'entrée, ton rôle de bolomé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il va te trouver là où t'as mis? Benam ou ton fils est zéro. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël et le Togo Israël s'est exclu. Il y a des sons. Qu'est-ce qu'on appelle l'auto-exclusion? Il y a des sons. Dieu les a mis dans le salut. Et alors, Dieu a réussi à nous faire gagner. Mais ils se sont auto-exclus. Avant, il y a les sous les yeux, il y a sous les yeux. Le Seigneur t'a placé dans l'église. Et alors, Dieu a réussi à nous faire gagner. Comme tu t'es retiré. Avant, il y a sous les yeux. Alléluia. Amen. Tu t'es retiré. Ah, des deux sous les yeux. Parce que, donc, c'est que, comment, à manière de vivre avant. Des actes, ben, il y a dans un live. Le plaisir du monde. Et alors, vivre à un autre. La gloire du monde. Digo à un autre. Tu ne le trouves plus ici. Avant, tu me montes au FIBA. Alléluia. Amen. Et tu t'es retiré. Bon. Awa ton, la Bible dit que les deux ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bible non, même ici, mais non déhéde. Soit mes lèvres dans le boulet. Quand se retire, c'est pour la perte. Et non ni est démédé, tous ni est tous soit mes boubouton. Israël menacé Moïse de se retourner. Et non, Israël y est fan à Mosé. Bon, les minéraux qu'on y a jeté ici. Alléluia. Amen. Beaucoup même menacent de quitter l'Église. Mais sous, y a non fait fan à Mosé soit boulot. Frère, je ne sais pas ce qui te retient, encore faut partir. Non, mais ma voyons, on est en héroté. Tu ne sais pas ce qui te retient. Mais voilà, on est en héroté. Faut partir. Oui. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui se sont retournés là. Amen, mais les collègues, aimez bien vous. Ce sont tous perdus. Aimez bien vous. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se sont retournés. Mais les collègues, tous ceux qui ont murmuré, mais où ne les peut. Tous ceux qui ont critiqué, mais chacun les connaît pas. Tous c'est le même message qu'on entend, c'est quoi ça là? Mais le problème c'est qu'il y a le détail possible. Tous c'est la même chose, tous c'est la même chose. Non problème. C'est ce qu'ils vont dire Moïse. Non problème. Tous c'est la même mal commencé. Et là, mal à le problème. Nous le maintien. Alléluia. Amen. Amen. Tous ceux qui ont ce langage dans l'Église de Christ. Et là, mais d'autres que mon côté, les photos, ils sont au ciel, mais ils iront pas. Et non là, c'est vrai. Non mais pour la première manaï. Ils n'iront pas. Et manaï. La bitch. Bébé il doit. Vous verrez, les prostituées, les voleurs, vous mettez. Mais d'abord, à Galeta, à Jonton, là, il y a des gens qui ont bien. C'est vrai. Vous allez les voir défiler, entrer dans le royaume. Mais là, vous voyez, il y en a trop à fond des boulots. Allez, pas de la bêche. Allez, ceci. Allez, ceci. Allez, ceci. Allez, ceci. Allez, ceci. Allez, ceci. Il va vous demander un ciel. Il y a des gens qui ont bien. Et vous, les gens qui ont bien. Et là, sous Rombo, on te boule de vous. Diacon, pas frappé. Ah, diable, on vous dit. Jésus, c'est moi. Jésus, Nyaway. Je suis le prophète. Attends. Nyaway, il y a un évangile. Je suis le prophète ceci. Nyaway, on a la parole. Nyaway, approchez. Sœur de telle église. Nyaway, il y a. Les bons en toi, tu ne sais pas se présenter. Bon, j'ai deux de vie à dire. Je lui ai dit, mais tu as pas besoin de te présenter. À ma carte, on vous demande de te dire. Je ne te connais pas. Nyaway. J'ai eu le temps de Noé, non? Mais moi, c'est si. Non, non, Noé. La porte de l'arche est fermée. Ils ont commencé par frapper pour entrer. C'est trop tard. Nous, tu as fait la vérité. Là où il y a les pleurs, les crissements. Chrétien. Sois vigilant. Non, Atiedi. Sois vigilant. Non, Atiedi. La couronne. Et donc, Djeba Koulo. La couronne. Djeba Koulo. La couronne. Djeba Koulo. L'ennemi veut te l'arracher. Et donc, qu'est-ce que tu as de pas de situation. Donc, bon, les bidomènes. Banal de la vie. Nous, dégoyer maintenant. Pas une autre, pas une belle. Pour certains, mais c'est le mariage qui va être. Ça, mais délai. Et alors, oui, vous voulez. Ouais. Parce que tu es tellement flessé. Donc, à toi, à où il y a mes mariages, mariés, à où il y a le roulé. Maintenant, pour une soirée, il dit. Alléluia. Amen. C'est ça. Anyway. La petite. Dis-moi, Minouze.
Je ne veux pas que vous ignorez. Alléluia. Amen. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la mer. Ils sont tous, tous baptisés. Amen. Nous disons que le baptême sauve. Et le milieu que baptême, il y avait si les c'est une façon de parler, bien sûr. Et donc, voilà, il y a un milieu d'euros. Le baptême sauve lorsque la personne vit la vie du baptême. Et donc, il y a aussi les énormes problèmes de gars, mais aussi là, et il y a aussi les six baisers ensemble. Alléluia! Amen. Le baptême saut. Et là, dans un pied, il y a aussi les énormes problèmes de gars, 21 qui parle de baptême. Et là, baptême, c'est bon. C'est en tête conscience qui nous sauve. Et là, il est énormes problèmes de gars. Mais attention, avant, mais pas ils ont été baptisés en Moïse. Et bien, où elle est, Yahweh, elle est au Moïse. Moïse les a conduits. Moïse est couillé. Moïse a ouvert la mer. Moïse est au bout. Et ils sont passés. Ouais, bon, et c'est ça la résurrection. Et bien, ouais, ils font son coup. Ils ont été ressuscités. Ils font son coup. Mais, avant, ils sont morts après. Il va couper tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu. Alléluia. Amen. Christ est devenu votre nouvelle nature. Christ votre nouvelle identité. Et la vie de Christ doit être manifestée. Mais Christ est ton soit alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous donne beaucoup d'exhortations. Dans la malassée de l'homme. Pas de ce que tu as dit, prière sans cesse. Et de veillez. Soyez sobre. La sobriété. Alléluia. Amen. La sobriété. Vous êtes la sobriété. Alléluia. Amen. La sobriété. Vous êtes non. C'est pas ça. La sobriété, la modestie. Alléluia. Tu n'aimes ni non. C'est ça. Lorsque vous rentrez dans l'excès, vous êtes bien. L'île à la mer, laissez ouvre la porte. Et dans l'île à la mer, noyau. Alléluia. N'a c'est pourquoi nous devons oison être dans la sobriété. Mais demain, Tito. La sobriété, c'est une clé de vigilance. Et dans l'île à la mer, regarde à Tchédi, il n'a pas tu passes plus de temps sur quoi et t'es dit, ouais, allons, baï, à s'écoutouer. Sous-tête-toi, sans dire. Demain lundi là. Au sol lundi. Par la grâce de Dieu. Donc bon, si la trompette ne sonne pas. Viens, on va couler dormir. Vois dans quoi tu as passé plus de temps. Yesu, bon, et t'es même. Azan à ses côtés sous-sous-dos. Alléluia. Amen. C'est à ça que le diable t'attend. Et donc, et même, qu'est-ce que tu as le métier. Alléluia. Amen. Il dit, et donc, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé quoi, Israël? Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé le pain. Akla. Mais est-ce qu'ils ont vécu? Amambe et non. Alléluia. Amen. Mais nous. Avant mille. La Bible dit que encore que nous avons mangé le pain excellent. Bibele dans mon cœur est mille mikaradou. Acclamé ignorant. Et ils ont mangé des manes. Et là, nous manan. Les pains ont été pollués depuis le ciel, c'est descendu. Et alors, acclamé, y est baïto, c'est un miracle. Et alors, à son dia ou bien. Pink descend du ciel. Acclamé, j'ai des sauts, ça oui. La boulangerie du sel produit du pain à descendre. Et donc, boulangerie, c'est un tomate. Et donc, il y a des gens qui sont ramassés. Bon, mais là, on tombe, blom, mais ça ne dit rien. Maintenant, on ne peut pas nous. Ça veut dire, attention. Et donc, ah, mes pays. Mais c'est Dieu qui nous nourrit. Et donc, ma ou est ton nous n'aminolé. Ce que je vois, Dieu m'a fabriqué ça. Il a préparé le temps à manger. Né nous, t'es là, dis-moi, il y a un papa ou est baï. Ils sont tenus pendant 40 ans. Bon, il y a nous, mon canton, on a pris. Soussou. Ils se sont encore moqués de la manne aussi. Bon, il y a quoi, tchao, manne à la peau. C'est quoi ça là? Et t'es gagné là? C'est quoi ça là? Et t'es gagné? C'est quoi ça là? Et t'es gagné? Nous, on mangeait des de fiandes en Égypte. Ton Dieu, tu es ici, t'es à Milan Doum là. Milan Doum, Midile. Des chats, des chants. Milan Doum, t'as fait la belle. C'est quoi ça là? Et t'es gagné? C'est quoi ça là? Et t'es gagné? Moïse. Mais il y a des dieux dans l'Égypte. Et non, on a arrêté en Égypte, tu tombes là. Laissez-nous. Puis, Dieu, enseignez-nous les bonnes choses. Et non,
Ils ont mangé le même aliment spirituel. Nous Matthieu 4:4. Matthieu Jésus va dire que je suis à Satan. Qu'est-ce Satan? Matthieu 4:4. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais... Alléluia. Amen. Vous entendez? Missé. L'homme, maintenant, ne. Et maintenant, ne vivra pas de pain seulement. Ne vivra pas seulement. Mais toi aussi, ben ma tension de quoi? Et tes mains. De pain. Du pain. À clacho. Mais. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. La nourriture spirituelle, c'est ça. Et donc, nous nous vivons maintenant où on est. La nourriture de l'esprit. Nous nous vivons maintenant où on est. Parce que le Seigneur nous a tellement enseigné. Donc, au coup de quoi? Pour nous mettre la chose de la nature. Donc, nous, aïrons maintenant la vie. Alléluia. Amen. Tu as mangé à nous le plus beau plat, le poids de nouveau. Alléluia. Nous d'abord, dit ton robot. Tu as mangé à nous. Tellement tu es heureux. À nous, mon robot. Nous sommes seulement 85 heures plus tard, maintenant tu as encore envie de manger. Ton gagnant est négo de la tombe. On va manger. Derrière, ma douleur, vous venez. Alléluia. Amen. Tu manges encore. Avant nous, tu as fait. Revenons, oui. Tu manges encore. À nous. Tu as fait. Revenons, oui. Tu manges encore. À nous. Tu as fait. Revenons, oui. Parfois, mais tu manges, tu tombes malade. Vous êtes ici en double, déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ça, nous nous tuons. Bébé, là, nous nous venons. Tu. Elle en vous met. Ça tue. Elle en vous met. Mais la nourriture qui vient. Amen. Nous nous. De Dieu. Des temps sont. Si vous y avez dit. Cette nourriture-là. Nous nous venons. Ne tue pas. Elle m'en en vous met. Donne la vie. Elle en a bien. C'est la nourriture de l'esprit. Et là, nous nous piquons, mettons là. C'est pas dit comment est ton Jésus. Où est-ce que et comment on a été Jésus qui est toi comment? Jésus qui est petit au diable n'a été. Si tu manges beaucoup beaucoup. Il y a douze 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 profits. Jésus qui est bien petit. Mais bon, Jésus qui est le roi. Et où on pêche? Et on dit après moi, c'est Jésus assis. Jésus est petit. Jésus qui est de ce qui est long fumé. Et oui, et t'as dit à Dieu. Fini. Et là. Lorsque l'homme extérieur se détruit, c'est alors l'homme intérieur et là, se détruit. Et non, ton et ton plus le corps souffre, et dans plus l'homme intérieur, l'esprit, bon, et puis dans l'homme, ça devient et on laisse courir le courant. C'est ils opèrent dans deux sens opposés. Il y a un oiseau bon à Yorovovo à l'homme. Il y a un oiseau bédé à Yorovovo. Jamais. Bédé. Jamais. Bédé. La Bible dit que la chair et l'esprit. Bébé, la basse à quoi vous en pouvez poser les choses. Il y a un donné et des. Si tu prends plaisir, ni à y, tu veux que la peau à la chair, n'a à basse tu ruines ton esprit. À notre tour. Tu ruines ton salut. Alors tu ruines ta relation avec le Seigneur. Alors quand tu te quoi au cou notre quoi le Seigneur. Pourquoi? Et de raison. La chair va produire la vue de chair. Abasa na wazé besan abasa ok abasa tu nous yémen. Alléluia. Amen. Tu vas penser à la chair. Allez non abasa dali. Tu vas penser à la manière de la chair. Anto fifi no wala abasa tole. C'est ça qu'on parle des hommes charnels. Oui, nous avons des titres ghetto. Des hommes charnels. Béton les titres à Bassassi, Bézanzan. Alléluia. Amen. Des hommes charnels. Béton à Bassassi. Il veut que nous soyons des hommes spirituels. Et ton nom, Mini, Béton, Bibomé. Des hommes bâtis. Béton des bas. Des hommes matures. Béton des ouins. Des hommes capables. Béton des dos. Alléluia. Qu'ils ont tous mangé. Elle aimait pour elle. Le même aliment spirituel. Alléluia. Nous avons mis ton repos là. Et tous. Et même pour. On mangeait la Pâque. Il y a eu. Il y a eu la Pâque. Le sang a été pour tous. Et là, on mange. Tout le monde a mangé la Pâque. Et là, tous ont mangé la Pâque. Et là, les bons poules, les mecs, quoi. Ils ont tous mangé. Et même lui. Alléluia. Amen. Mais. Amen. Ils ont tous péri. Et même pour. Où est-ce qu'on voit quoi? Et toi, où manque de vigilance. Et moi, toi, tu dis. Tout à l'heure, vois ce qui est avait tombé. Et là, pour. M'a demandé, mais là, mon nez est yaï. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelques éléments. Maintenant, on met les sirops. Gloire à Jésus. Amen. Des choses. Des
les expériences spirituelles passées et leur temps est présent avec Christ. Nous allons parler des expériences. Mais là, dans haut, faites pas Israël. Christ était avec eux. Christ était avec eux. La Bible dit que le rocher, qui les suivait, était Christ. C'est pas Christ le rocher. Christ l'ancien rocher, c'est Jésus. Et c'est lui qui les suivait dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, il faut que cette histoire t'inspire et de là au terre pour que tu ajustes ta vie chrétienne. Ni quoi là ouais, allez monter go présente toi du Christ a toujours zéro jamais. Alléluia. Est-ce que tous les enfants d'Israël étaient sauvés? Ben Israël il est pio et mon vrai gars. C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'ils étaient tous sauvés? Quand ils ont quitté Égypte, est-ce qu'ils ont été tous sauvés? Ben ton son Égypte ici ton bébé aimait bien mon vrai gars. Ils ont été tous sauvés. Aimait bien mon vrai gars. Moïse a dit à Pharaon. Moi c'est devant Pharaon. Il dit, laisse sortir mon peuple. Parlez me servir. C'est tous les Israélites qui sont en Égypte. Israël vient bien tous en Égypte ici tombé. Aucun Israélien n'est resté en Égypte. Et donc Israël vient tellement pire maintenant Égypte ici. Et aucun Égyptien ne les a accompagnés. Bon, Égypte ici vient de peut m'avoir redonné. Donc c'est le peuple de Dieu qui est sorti. Et donc pour tous, il y a un temps où est-on aimé bien. Tous aimé pour sortir. Aimé bien ton. Tous ont été sauvés. Aimé bien mon regard. Alléluia. Amen. Ben, tous ont été sauvés. Aimé bien mon regard. Est-ce qu'ils ont été tous sanctifiés? Mais aimé bien. Il est classe, oui, oui. Bien sûr, ils ont été tous sanctifiés. Aimé bien, il est classe, oui, oui. Alléluia. Amen. Maintenant, sont-ils tous parvenus à Cana? Mais aimé quoi? J'ai Cana si tombé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils sont tous parvenus à Cana? Mais aimé quoi? J'ai Cana si tombé. Pourquoi? Était autour. Pourquoi? Était autour. Pourquoi? Était autour. La raison, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Oh, voilà, oui, non. Il m'a c'est ton nom. Ils ont désobéi. Ils se sont laissés distraire par les choses de la chair. La Bible dit qu'ils m'ont tenté plus de 10 fois. Alléluia. Amen. Qui m'ont tenté plus de 10 fois. Ils ont tenté Dieu. Ah non, Dieu est généreux, Dieu à vous. Papa me frapper. Non, papa m'a dit de ne pas toucher. Comme je suis l'enfant unique, papa ne va pas me frapper. Papa ne va pas me renvoyer. Papa ne va rien me faire. Papa dit c'est ce que l'enfant dit. Ne va rien me faire. Papa, je connais mon papa est gentil. Yon papa, Dieu est tellement bon pour jeter pour jeter quelqu'un à l'enfer. Et donc, non, Dieu est un autre. Tu te la Dieu est un ami, mais Dieu est un ami. C'est tenter Dieu. Et donc, il est tenté. Dieu y a un point. Ça, c'est tenter Dieu. Et il est Dieu y a un point. Où est mort? Ils ont tenté Dieu. Il était Dieu y a un point. Ils ont tenté, ils sont moqués de Dieu. Il était Dieu y a un point. Ils ont Dieu y a un point. Dieu. Il y a un monde qui a Dieu y a un point. Qui les a fait tomber. Ouais, voisé Itaï. Alléluia. Amen. Ils ont désobéi à Dieu. Nous allons voir quelques expériences. Maintenant, et que chacun note. C'est très important. Et chacun doit nettoyer sa vie avec ces choses-là. Alléluia. Nombre 5. 9 à partir du verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. La tente d'assignation est depuis le soir jusqu'au matin. Elle eut sur le tabernacle d'apparence de feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence de feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Viens au verset 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Très bien.
David dit qu'ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur notre Moïse. Pourquoi ils obéissaient? À cause de la nuit. Toli à Kokolofu. En réalité, ce n'est pas qu'ils obéissaient rien. Non. C'est la nuit en réalité qui positionne ce qu'il doit faire. À Kokolofu, où est-ce? Si la nuit s'arrête, que pas il s'arrête. La nuit à Kokolofu, non, non. La nuit était leur boussole, était leur direction. À Kokolofu, il n'est pas concouillé. La nuit était leur berger. À Kokolofu, il n'est pas retourné. Donc quand le berger dit à gauche, dit ni les bords de venir bon, il va à gauche. Amiens. Et non, parce qu'il n'avait pas le choix. Donc cette nuit en réalité, à quoi point est ton nom? Dit que c'est Christ. Bibelo, Christ, oui. Alléluia. Amen. Elle est. La nuit les accompagne. À quoi point nous redoyer? Mais toi là, à quoi y est? La nuit en toi. À quoi point tu te yémen? La nuit en toi. À quoi point tu te yémen? Alléluia. Amen. La nuit est déjà en toi. À quoi point que tu te yémen? La nuit était hors de. À quoi pourquoi Emma tout au Yémen et tout au Vanaï. À moi, il y a à quoi pourquoi tout au Yémen. C'est pour apporte pas de le rappeler. Où est-ce qu'on a posé toi, ton qui se dit sur la nuit. Donc, il y a eu un bon à quoi pourquoi d'aller. Donc, la nuit en réalité était un élément pour eux d'obéissance. Et alors, à quoi pourquoi nous des bonhommes et tout si c'est. Toi aussi, Yesu papa. La nuit qui est le Saint-Esprit. Et alors, à quoi pourquoi des yeux du bon, oui. Tu dois l'obéir. Alors, c'est ton nez. Alléluia. Amen. Tu dois obéir. Adonai, c'est ton Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Adonai, c'est ton âme. Tu dois écouter la voix de l'Esprit. Adonai, c'est obéir. Tu dois t'éloigner des choses. Adonai, clanson. Que la nuit ne supporte pas en toi. Nous, les bien. Les choses qui éteignent la nuit. Nenoati à Kokola tu yémen. La Bible l'a cité. Un seul qui a un homme. Dans Galates. Toi, Galates, toi. Alléluia. Amen. Galates 5, 19. On va parler ça. Vous allez garder ça. Alléluia. Amen. Autre élément. Nevo. Nombre 10. Oui, son réel est total. Nous allons rester dans Nombre pour mieux comprendre les expériences du peuple d'Israël. Nombre 10. Le thème, c'est la vigilance du chrétien, du croyant, et donc, en route pour le ciel. Ogo de Dimito Rodono et Achedi Mino Cristiano. C'est ton service à Yuji. Va te tomber, va te réveiller. Pour que tu revois la marche. Alimenter Gozoni Lopon. Tu revois ton intimité avec le Seigneur. Alimenter Gopon. Quand tu as tout beau, Bibo. Non. Fais-toi deux trompettes d'argent. Mm-hmm. Tu les feras d'argent battu. Oui. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Mm-hmm. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que. Non, tu me dis bien du nombre. Oui. 11. 11. Tu as les combien? 10. 10. Faut voir 10, 11 alors. 10, verset 11. Le 20e jour du second mois. Le premier, nous avons parlé de l'obéissance. L'expérience, la première expérience que nous avons reçue tout à l'heure dans Nombre 9, c'était l'obéissance. Et là, nous avons dit dans le début mon ils allaient obéir sur l'ordre. Ils avaient Moïse, lorsque que Moïse lui a donné de la part de l'Éternel. C'est la première expérience qu'on a retenue d'eux. Mais l'obéissance était due à la présence de la nuit. Amen. Si cela est ton son, ténon, à quoi qu'on est, ton couillé dans ton. Toi aussi, Yesu papa, le Saint-Esprit en toi. Et Tito Yamerei, à quoi qu'on est, tu dois être aussi obéissant. Adonai, c'est ton nez. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire, tu dois soumettre au Saint-Esprit. Apprenez à communiquer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dehors. Le
Alléluia. Si j'ai obéi à cause de la nuit, oui, et c'est ton apparent tout. J'ai obéi à cause de Jésus. Adorant c'est ton bidouin de Tito Yemera ton tout. Deuxième expérience. Oui, 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 toi. Alléluia. Mm-hmm. Vas-y. Le 20e jour du second. Nous sommes dans Nombre 10, verset 11. Oui, sort qu'elle est ton Tawa pour le coup. Du second mois de la seconde année, oui. La nuée se leva du dessus le tabernacle du témoignage. Mm-hmm. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï mm-hmm. selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Mm-hmm. Il fit ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alléluia, donc départ. Et alors, il s'était. Ils vont quitter Sinaï maintenant. Et rentrons Sinaï. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est des expériences. Alors, elle est là pour nous, voilà. Bien aimé, le Sinaï, tu t'es obligé de quitter Sinaï. Et alors, adorons-nous au Sinaï. Alléluia. Amen. Parfois, le Seigneur veut nous amener à vous des expériences. Vous direz, tiens, beaucoup de gens sont maintenant. Quand le Seigneur dit, maintenant que tu quittes, si va de l'autre côté. Et alors, elle a si colo, elle a son fils. Toi, tu peux. Si c'est bon, je vais te dire. Fillon, ça va. Non, mon fils, tu as besoin. Maintenant, au bout de la fois, tu parles du nom. Oh, on va au bout de et Yana. Et Nicette. Qui ceci? Ton son frère. Quitte cela. Ton son filé. Alléluia. Amen. Tu dois quitter ce travail. Adrien, ton son raisonné. Tu dois quitter ceci. Adrien, ton son filé. Adrien, ton son noulé. Mais toi, tu as pris. Amen. Amen. Ado. Alléluia. Tu ne veux pas quitter. Amen. Yann, ton son frère. Alléluia. Amen. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le départ, toi aussi, tu dois quitter. Yes, Adrien, c'était. Adrien, il t'est ici, là. Amen. Amen. Faut descendre au niveau de verset 34. Les versets que nous lisons, que nous donnons, s'il vous plaît. Il faut les lire à la maison. Et alors, oui, c'est oui, parce qu'on oui, ne peut pas tout lire. Mais ton livre dans les mythes, moi, je vais vous dire. 10. On va sortir à ton Otao. Verset 11. Verset à pour le pot. Au verset 36. Caca de Dieu, à pour le pot. Vous nous lisez ça, disons, mais nous, on ne va pas tout lire. Alléluia. Les mains qui a bien, on va se dire qui a bien. C'est ce qui nous intéresse. 34, verset 34, maintenant, tu descends. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant oui. le jour. Uh-huh. Lorsqu'ils partaient du camp, oui. quand l'arche partait, mm-hmm. Moïse disait mm-hmm. Lève-toi, Éternel, oui. que tes ennemis soient dispersés, mm-hmm. que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Mm-hmm. Et quand on la posait, il disait Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'ils ont dit, parce que. Et n'est pas né de ton affrontement. Quand l'âge partait, et Moïse disait Lève-toi, Éternel. Et alors, moi, c'est donc, ma femme va quitter. Et que tes ennemis soient dispersés. Non, que toi, tu es ennemi, dit Bado. Que ceux qui te restent fuient devant ta face. Non, mais donc, qu'on est là, il y a une rançon. Alléluia. Amen. C'est ça l'assurance. Et alors, quand est-ce qu'il y a? Parce que tu sais que quelqu'un en toi. Donc, tu sais que tu as cru. Ah, bien, l'ami, il sait. Voilà le jeune chrétien. Eh, il sait, non. Le jeune guerrier. Le jeune guerrier. Alors, il a commencé par faire l'esprit du combat spirituel. Eh, j'ai, avant, vous voyez, toi aussi. T'es bon, l'aimé. Alléluia. Amen. Il a commencé par faire l'expérience. Ben, j'ai, lui, ouais, il est là. Gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Eh, j'ai, qui go, roule, go, c'est ça. Alléluia. Amen. Cette expérience, tu dois aussi faire. Et là, nous, ouais, mais il y a soit dans la basse. L'expérience du combat spirituel est aussi importante. Et là, nous, ouais, ah, moi, vous, big boy, mais ton lot, et ton patac. Dans la marche vers le ciel, c'est un chrétien qui ne vit pas la vue du combat spirituel. Et là, il s'est le démato. Big boy, mais si, ah, on a si des enfants. Quand je parle de combat spirituel, ni non, ah, moi, vous avez ton. Je ne parle pas de combat contre les sorciers. Mano, ah, moi, patac, c'est étonné. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de combat contre les démons, le diable. Non, à moi, Foufou, Quanta, Big Bama, oui, Satan. Le combat de l'esprit et de la chair. Non, Big Awande, non, Zé, Big Bama, Quanta, Abaza. C'est de ce combat que je parle. À moi, mon compte Rolandé. Parce que Satan est associé à Jésus, à ça, il y a occupé d'eux. Et non, Satan est beau. À cet homme, Jésus, Jésus, il y a occupé d'eux. Au fond, il est beau. Alléluia. Amen. On n'a plus à combattre. Mabado. Avant d'être fou, notre seul combat est avant de domine la chair. Oui, Big Bang quoi, parce qu'on doit permettre que l'esprit domine la chair. Mais de l'autre côté, on doit sortir la chair. Et là, nous tombons à Basalodi. Gloire à Jésus. Amen.
Continue. Non, 11. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Ah, vous avez entendu? Oui, ça, si. Ça a commencé. Eh bien, eh bien. Ça a commencé. Eh bien. Ça a commencé. Eh bien. Lorsque l'Éternel. Attends, attends. Vous avez entendu? Dis-moi. Vous avez entendu? Eh, qui parlait là? Misé, mais là, il est en haut là. Dis, lève-toi, Éternel. Et là, maman, tu dis? Oui. Oui. Et là, que ta sœur soit satisfaite. Non, maman, non, que notre aïe. Non, mais. Fuis devant ta face. Et non. Quelques instants après, voilà ce qu'ils ont commencé par faire. Et là, voilà ce qu'ils ont commencé par faire. L'expérience du murmure. Il a dit, nous, on a dit murmure. Nous, dis-donc. Alléluia. Il a dit, tu as horreur de murmure. Et donc, Dieu, Yahweh, et ben, on a nous, donc. Dieu a horreur des murmures. Dieu Yahweh, et ben, regarde ce que tu as. Tiens sa main. Point, rien à ton goût. Tiens sa main. Rien à ton goût. Dis ma bien-aimé, mon bien-aimé. Non, mais voilà, tiens. Tu as horreur des murmures. Dieu Yahweh, et ben, on a nous, donc. Murmure. Tu as horreur. Et le Dieu Yahweh, et ben, on a trap. Murmure. Murmure. Mimi, Nunda, Mimi, Nunda, Mimi, Nunda, même la salle fait peine. Mimi, c'est mon robe là, on doit Nunda, Mimi, Nunda. Alléluia! Amen. Quand Dieu t'aime, elle, Dieu, elle sait Nunda. Mal aux oreilles! Elle fait tonner. Alléluia! Amen. Mimi, c'est un signe d'incrédulité. Nunda, Mouton. Nous m'en dit tourner, ouais. Alléluia! Tous ceux qui murmurent sont des incrédules! Et donc, mais non, où on doit pour, il m'en dit tourner. Alléluia! Pourquoi ils murmurent? Et dans tout est au monde. C'est ça la question. Oh, des minas qui m'a venu là. Quand les gens murmurent, posez la question, pourquoi ils murmurent? Ouais, non, mais là, tout le monde. Ils et là, quand même, et dans tout est au monde. Ils sont pressés. Et voilà. Ils ne sont pas satisfaits. Il m'a dit, ce à quoi ils s'attendaient ne pas reçu. L'honneur qu'il veut qu'on leur accorde. Il y a on ne l'a pas accordé. Il m'a envoyé. La place qu'il veut qu'on leur mette. Commence pas à murmurer. Alléluia. Amen. Le murmure. Murmure. S'il y a un peuple qui a murmuré dans la Bible, c'est Israël. Et on est au bout de l'étude, mais Israël, ouais. Alléluia. Amen. Le murmure sont ainsi de désobéissance. Quand vous êtes dans une communauté, et la même tête, Bible de main, et qu'il y a que les murmures commençaient pas à se remarquer. Bon, il y a des noms dans les maudits. Sachez qu'il y a rébellion. Mais il y a que Goufi Fonti. Alléluia. Amen. Sachez qu'il y a rébellion. Mais il y a que Goufi Fonti. Alléluia. Amen. Donc il y a une rébellion qui va se préparer bientôt. Et il y a mon nom que Goufi Fonti, moto à oué. Alléluia. Amen. Tous ceux qui murmurent. Mais non, on va les rébellions. Goufi Fonti. Alléluia. Amen. Tu murmures contre qui? Mais nous, à ton pointa. Dieu. Je vous ai dit, quand on pêche là, le péché c'est contre Dieu. Le péché a toujours ciblé Dieu. Ok. Et donc, nous, donc, Dieu Yahweh, est notre très haut. Alléluia. Le péché, et donc, il a toujours ciblé Dieu. Qu'est-ce que soit le péché que tu commets, c'est Dieu. Et donc, conseil, il y a un don de Awa. Dieu, Yahweh dit, oh Yahweh, il y a un don de nous. Alléluia. Amen. Parce que même si tu insultes ton frère, ton frère est créé à l'image de qui? Et donc, nous autres, même si à partir de l'image de Dieu, à partir de l'image de Dieu, que c'est de profaner. Donc, et bien, à partir de Dieu, Yahweh, ton, oh Yahweh, à ton. Sache que toutes les fois quand tu commets péché contre Dieu. Et donc, pourquoi le théâtre minando de wa? Dieu y avait panta la wa yando mon contre nous. C'est contre Dieu. Dieu y avait panta. Alléluia. C'est contre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur ne veut plus que tes enfants soient dans les murmures. Bon, kuno mama jona yo kwa to le wa ti to nu. Ceux qui murmurent ici là. Mais non, on a ton fils. On a demandé aux hommes de Dieu. Maintenant, bien, mais c'était au courant de la fois. Je ne sais pas si c'est le soudeur. Et là, mais on va y soudeur si à son lait. Ils vont faire des cadenas. Ouais, non, mais à Gaza Goudou. Alléluia. Amen. Lorsqu'on va prédire, bien aimé, on va prendre ici. 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 On va prendre ici.
Hallelujah. Amen. Pas avoir les lèvres en plat pour murer. Alors, on nous flotte les lentilles dont tes voyages ont grandi. C'est pourquoi parfois même, où elles ont aidé les nids. Alléluia. Amen. Le Seigneur permet que certaines personnes aient ces handicaps. Au cours d'un, elles ont mis des lèvres. Alléluia. Amen. Parce que s'ils étaient en bon état, j'espère en mumu. Et là, vie avec la maladie. Alors non pas au tout le bout jusqu'à venir au ciel. Chaque ami va se adorer. Vie avec l'handicap là. Non pas jusqu'à venir au ciel. Né Manuel la coupe carrosse. Aucun problème de délivrer. Alléluia. Amen. Et alors pour des épreuves maintenant tout est loti. Que ton cœur doit être tué là. Ton cœur est mumu là. Aïe à te quoi nous sommes tellement liés. Il y a très de quoi sur mon sou Dieu va te guérir là. Ouais non au coup d'un non il y a son bon. Tu seras revêtu de mumu. Awaï nous dans le tout avant. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, 10. Oh oui, dis-toi, comment il est en carreau, à quoi? On va sauter un peu, parce que c'est ça qu'on lisait avant. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Vous avez vu? Mais moi. On dit ne murmurez. Et là, Ne murmurez pas. Point. C'est ça? Et là, Amen. Quand tu vois ça, ni à mon prie Dieu. Il y a un grand rogue. Alléluia. Pour que Dieu lui accorde la sagesse. Ni mon ténaï. Mais Dieu aussi permet ça. Avant, au coup, on les sous. Et on a Dieu tellement content. Pour former. Remontez un don. Alléluia. Amen. Pour former. Remontez vous à Dieu là. Au coup, non. Ne travaille pas avec des chances. Et mon oiseau pour. Désespère. Mais qu'on y gagne pour. Non. Mais qu'on paie. La main de David, non. Mais bon, avant, la main que David a, c'est des vauriens qu'il a avancé. Et non, mais avant toi, les gens rejetés. Et non, mais il est ramassé. Mais qu'on est une armée. Et plié, puissant. Avant. C'est ça. Avant des signes. Faut pas compter sur ce que tu sais. Fais ton expérience. Voto, des anneaux d'aïe. Des anneaux. Je suis le premier né dans l'église. Et là, je suis le commencement de l'église. Alléluia. Amen. Tout ça là. Et là, ça n'impressionne pas Dieu. Même quelqu'un qui est venu aujourd'hui là. Et là, mais t'es wide. Devant Dieu, il est plus grand que toi. Ton Dieu est aussi le con. Et voyez, me roule. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit. Ne murmurez pas. Quand vous murmurez quelques-uns, ne périrez pas l'exterminateur. Alléluia. On a dit que le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles. Bon, tu vas dans un puits. Et tu parles. Tu mimes contre quelqu'un. Ah, nous pas dans les oreilles du Dieu. Et non, bien tombé. Alléluia. Amen. Même si tu ne parles pas. Même dans ton tu entends ça. Dieu est énoncé. Lui entend les pensées. Où annoncer l'inéle? Il lit les pensées. Elle n'a rien l'inéle. Amen. Quel est l'état de tes pensées? Et donc, détail l'inéle, l'inéle, toi. C'est plus longtemps, pas encore fini. Son plein bon. C'est pas ça, là. Si c'est mon point de vue. Perdre de temps son nom, là. Aïe. Ça, c'est mumu. Ça, c'est mumu. Il se lève, ça, c'est. Il faut des gestes. Et l'autre idée. Bon enfant. Alléluia. Si il est baï. Pour montrer que mais regarde-moi de l'air. Ah, gamin, Et donc, nous, dans l'air.
Vous devez vous changer. Alléluia. Amen. Parce que les murmures donnent. Alléluia. Conduit à l'extermination. Et non, on peut bien faire ce. Alléluia. Amen. Le peuple murmurait sera déplu aux oreilles de l'Éternel. Et non, si c'est là, et lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Et non, on met blé ton Et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Et wata le tête. Le feu de Dieu s'allume toujours aujourd'hui. Au mieux, tu veux y aller. Et bien, de s'allumer aujourd'hui dans l'église. Et bien, c'est vrai que les gens ne sont pas consumés. Mais le même effet que l'effet qui, le feu qui consumait dans le désert. À mon désir, tout ça le problème spirituellement. Et God nous crie à notre bigomé. Alléluia. Amen. Tu envoies ce flamme au milieu de son peuple. Et dans Zébué, ton grand, ton moins, ton tchèque. Pour consumer les murmures. Bon amour, tes fions, mon autre. Ceux qui murmurent là, maintenant où on a, ils n'évoluent jamais. Il y a vraiment une autre. Alléluia. Amen. Ceux qui murmurent là, regardez la vie. Maintenant où on a, les pompes, ça y est. Jamais ne réussissent dans la vie. Yéman en dos nous conduit. Et il ne peut jamais, jamais. Bon, Yéman si gando nous conduit. Bébé. Non. Yéman est gamon. Yéman ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Yéman est gamon. Oui, je reçois le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Yéman, Yéman, oui. C'est l'esprit de Mimu. Et alors, Bibon, nous, notre. C'est l'onction de Mimu qui est sur. Et alors, ami, si ça nous, notre. Mais cette personne doit être chassée. Mais éloignée. C'est ce que Dieu dit ici. Né, ma maman, votre fille. Il me fait dévorer l'extrémité du corps. Et alors, au mieux, on va d'où? Au temps. Alléluia, attends. Le peuple qui a maïs. Bon, toi, vous l'aurez d'avoir remboursé. C'est ça. Beaucoup viennent de Dieu prier pour nous. Mais c'est nous, amour. Miro Denon. Ma vie, là, j'ai pas dormi. Ça m'est madame, non? Je pas de la vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, madame, ça m'est terminé. Fidèle. Alléluia. Amen. Ah, non. Vraiment, j'ai fait un songe là. On m'a un coup de rendez. Et j'ai vu vraiment. Bon, bon. Mes temps. Avec des bâtons, des couteaux et des bœufs qui me poursuivaient. Alléluia. Amen. Et après. Maintenant je me suis réveillé. J'ai mal partout. Et après. Vous voyez, c'est ça les conséquences. Et alors, au ballon les nids. Les gens qui vivent ces choses. Mais nos taux, baisant mon contrôle. Je vous dit des choses mal. Non. Eh bien, alors, on va te nous n'y a qu'à dormir. Ce que je vous dis, c'est la réalité de notre vie. Qui vous échappe. Bon, mais non, qui vous échappe. Mon il faut que je vous le dise. Que le peuple de Dieu soit vigilant sur sa propre vie. Alléluia. Amen. Parce que ces choses que vous voyez là, c'est le reflet de vous-même, de vos activités. Et alors, c'est depuis qu'ils ont commencé à développer une bonne communion avec le Seigneur. Les rêves sont devenus saints maintenant. Et alors, il n'y a plus de vaches, de souris, de chiens. Non. Si jamais il arrive un jour, c'est eux qui poursuivent les bœufs, les chiens, tout ça là, avec épée. Bon, Rico, Agabo. Alléluia. Amen. C'est ça, la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ça vous aide aussi à avoir une vie chrétienne épanouie. Non, minimum tedo, présent, chrétien, ton vivo. Alléluia. Amen. Donc les murmures, et là, nous, dans les... nous devons vraiment nous repentir. Le peuple a tellement murmuré. Et le Togola, il est où nous le sommes? Là, ils ont murmuré. Il est où nous le sommes? Parle de l'homme douce. Mais sors et à l'aise. L'homme douce. Ah, oui, ami. L'homme douce. Ah, oui, ami. Tu vas content maintenant. Ah, va, mon. Merci. Ils avaient déjà murmuré avant. Il est où nous le sommes? Merci. Oui, vas-y, très rapidement. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Voilà encore d'autres minutes. Alors, on a dévoilé, voyez. Ah, l'homme de Dieu, c'est ça qu'il a trouvé. Alors, mais c'est toi au courant de l'un et l'autre et moi. C'est ça qu'il a trouvé. Elle est là où est moi. C'est ça qu'il a trouvé. Elle est là où est moi. C'est ça qu'il a trouvé. Alors, il y a un nouvel moment d'ailleurs. Alléluia. Amen. Ça, c'est venu. Elle est là où est moi. C'est ce que Aaron et Marie ont dit. Né Aaron et Pombaria, quoi, il est donné. C'est quoi ton problème? D'être caillé trop tout et tout. Alléluia. Amen. C'est quoi ton problème? D'être tout clair. Il a choisi, c'est ton problème. Il a choisi. D'être tout clair, oui, il y a un idée.
C'est toi qui as choisi. Il y avait des pourquoi? Et donc, murmurer. Attends. Moïse a pris une femme éthiopienne. Mose est assis. Jonon. Et Aaron. Bon, Aaron. Pari. Ton mari a beau. On se met à part. Et un j'ai pas à part. Vous parlez contre moi. Bon, un j'ai un rôle contre à Mose. On va mettre ça dans l'intercession. Et un zéro, c'est même. Tu as entendu, non? Mais ah oui, assez. Tu as entendu ce qui s'est passé. Assez, né, Jonon. Tu as entendu? Ah, assez. Moi, je ne veux pas parler. Hello, Magna Dordego. Je ne veux pas parler. Magna Dordego. Mais peut-être parle. Et toi, quand tu es rôle. Alléluia. Amen. C'est ça, le nous on doit l'aigner. Le Seigneur compte nous. Je vous dis à vous. Il chasse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et non, oui. Lorsqu'il y a lui quelque part, l'Esprit de Dieu a tristé. Il sort. Alléluia! Amen! Si tu n'es pas content de quelque chose là, il m'a dit. Il dit, laissez-vous qu'on vous dépouille de quelque chose de vous. Et là, il dit, qu'il y a des naissons, Migo. On doit t'enlever quelque chose de toi. Et donc, il y a des naissons, oui. Alléluia! Amen! Tu dois accepter qu'on enlève quelque chose de toi. Adroit, il y a une des naissons, mais ça, toi. On est ensemble dans l'église. On se fait, on se fait. C'est normal! Et nettoie-toi! C'est ça, on est ensemble. Ouais, mais c'est parce qu'on est ensemble qu'on se cogne. Et puis ton poison, on est ensemble. Et dans le cognement là. Bon, ton Messie, on ne vient pas s'aimer. On a mis. Alléluia. Amen. C'est ça, on va accepter vivre. Ouais, mais dans la vie, de vous l'enseigner dans mon canton. Le Seigneur nous demande. Au coup, on a mis vie de sacrifice. Au bain. Ah, voici ça, toi. Alléluia. Amen. C'est ça. Ouais, arrêtons de murmurer. Et alors, mais toi, nous, on est nous. Les murs sont des pièges. Nous, on doit aller au monde. Ils ont tellement murmuré. Israël a tellement murmuré. Israël, il est là où nous sommes. Je veux dire, murmuré, c'est l'incrédulité. Nous, c'est la rébellion. Et le groupe, c'est l'idolâtrie. Nous, si c'est bon. Murmuré. Nous, on quand vous murmurez là, je vous ai dit, Ndonami, le Saint-Esprit vous tourne dos. Il vous tourne dos. Et le diable vous encourage. Bon, ça a envie. Elle aura ton cadeau. Elle nous donne des inspirations. Elle aura ton cadeau. C'est lui qui va te révéler. Où est-ce que tu as vu le sable qu'il a fait? À mon dernier. Regarde. Et tu es devenu enquêteur dans l'église. À l'aise où mais notre rôle tient près de toi. Alléluia. Amen. Tu viens servir de renseignement. Alors à ton information l'a dit. Alléluia. Amen. Ça c'est l'œuvre de la chair. Et donc Azon Agba Satan. Tu es au service de Satan. A Tito, Azon, Satan et ton gloire. Tu t'es détourné du chemin du ciel. A Dédé et son cerveau, c'est à Yurod. Tu as enlevé les mains, tu as enlevé les jeans. A Dé, tu as enlevé les bracelets. Mais tu es encore sur le chemin de la mort. Amor, A Beto, A Yurod. Zometon. Chrétien de façade, non. Yi, c'est non. Nous commettons. Alléluia. Et où? Les chrétiens maquillés. Et alors, Christian. Chrétien, mais quand même. Alléluia. Amen. Faut enlever la mécope. Et là, des loups vont très amen. 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 Le Seigneur Jésus. Mon point de Jésus. Ça, ils ont murmuré. Et où non? Nombre 14. Apprends. Nombre 14. Viens. Ça y est, on continue encore après. Alléluia. Toute l'assemblée éleva la voix, oui, et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Hey, ils ont pleuré. Ils ont fait venir de pleurs. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le peuple a pleuré toute la nuit. Bébé, yé via vie to cacaillon. On saura pourquoi ils ont pleuré. Mais là, mon Dieu, tu es est-ce que c'est à cause de leur péché? Ben, il y a deux de leur toi. Est-ce que c'est à cause de quelque chose? Ben, nous, toi. Alléluia. Amen. Ils ont pleuré toute la nuit. Yé via vie cacaillon. Alléluia. Amen. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Hey. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Oui. Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Encore! C'est de celle-là on n'a pas la téléphone ici. Mais elle est là si gros, mais donc, on est à reprocher le murmure. Voyez, ben, nous, on en a oui. Et on a dit avertissement. Ben non, abassé. Toi, c'est bien après. Assez à ton côté. Encore, Mimu. Et donc, ben, nous. On l'appelle encore. Et moi, c'est quoi? On te l'avertissement. Avancé. Et moi, après. On se le bon côté. Mimu. Nous, non.
Quand vous voyez comme ça là, sache que cette personne là, il peut parler au ciel. Elle ne peut jamais aller au ciel. Elle m'a je vous dis la vérité. Avec ces choses, elles sont arrivées. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. L'histoire là, qu'on nous raconte là, c'est pour nous avertir. Et le nom Alléluia. Amen. Ils ont encore murmuré là. Ils ont encore murmuré. Ils arrivent devant nous. Et voilà ce qu'ils vont raconter. Ils vont dire quoi? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ah, vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant l'incrédulité? Mais mon Moumani. C'est-à-dire que les gens qui nous viennent oublient vite, c'est gras. Il mais non, où on doit aller? Mais c'est gras. Moins là. Tu es ingrat. Il y a mal moins. Tellement ingrat. Ils oublient vite les deux qu'on le fait. Et là, il y a un monde d'abédé et wana. C'est le bien immédiat là. Qui compte d'abédé et wana et toi à fond à fond là. Où est donc? C'est le bien immédiat qui recherche là. D'abédé et toi à fond à fond là. Ils oublient tout. Où est ton soir à qui ils oublient tout. Les bobaïna et les vieux cons. Le jour où tu as fait petit terrain là. À Zandé et bon. À qui ou à qui ou quoi. Et là, on va prendre ce terrain là. D'abédé à quoi là. Et là, on vit. Ça, c'est le numéro. On a zé. Si vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous. 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 40 ans sans aller à l'hôpital. Sans aller à l'hôpital. Il y a pas de blessure, on n'a pas pensé, des plaies. Il y a rien de tout ça. Et ils ont oublié. Voyons. Ils ont oublié tout ça. Et on est là pour. Ils ont oublié qu'ils ont voulu prier pour eux. Et on a dit, on a chassé des démons, on a chassé des esprits de famille. Et il y a un big bon, on a tout oublié. Et on bi. Ils ont tout oublié. Et on bi. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui se passe. Neto dit gagné. Les gens qui oublient vite là. Mais là, on l'est. C'est eux qui m'ont. Et là, non, non. Ils sont tellement ingrats. L'ingratitude. Et alors, Alléluia. Amen. L'ingratitude, c'est aussi de l'incrédulité. Et alors, c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Ils sont murmurés. Ils ne commençaient pas à pleurer. Que nous sommes morts. Et diable, Vigi. Faites attention. Mais pas. Les choses que vous dites là. Lorsque vous traversez des situations. Le Seigneur dit, je ferai exactement ce que vous avez dit. Au courant d'or. Nawa. Quand tu es dans la douleur, dans des situations. Oh, que je suis mort. Ah, coulo. Que je suis malheureux. Oh, je suis malade. Oui, t'as un canon. Tu es malade. Aïe, autour. Tu es mort. À coup. Tu es pauvre, je ferai comme ça pour toi. Ah bah il y a ceci de toi qui a dit ça. Donc yes, ouais, je le ferai ainsi. Mon Dieu n'a donné. C'est ce qui va le dire. Alléluia. Amen. C'est ce qui va le dire. Alléluia. Amen. Lisez-moi verset après de verset 22. Non, 14 après de verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé. Très bien, c'est bon. Alléluia. Amen. Dis tous ceux qui ont vu ma gloire. Et là même mon qui gotera les pieds. Tous ceux qui ont fait l'espérance du Saint-Esprit. Mais mon oui va boire ton lait. Ceux qui ont reçu des visions, des révélations. Mais mon mi mon doria mais l'autre Dieu dit les. Ceux qui ont même évangélisé. Mais tes larmes d'abriler. Alléluia. Amen. Et qui m'ont tenté 10 fois. Boa temi fon ouga azon ao. C'est quoi tenter Dieu? Et t'es là il est tenté Dieu. C'est quoi tenter Dieu? Et t'es tenté Dieu. C'est quoi tenter Dieu? Et t'es mon qui va m'aider? Maintenant voilà l'ami. Tenter Dieu. Comment vous comprenez ça? Tenter Dieu. C'est quoi tenter Dieu? C'est quoi tenter Dieu? Oui. C'est faire ce qu'il
Je sais qu'il n'aime pas le faire pour vivre, donc je verrai ce qu'il va faire. Hein? C'est... Faire ce qu'il n'aime pas, sachant très bien qu'il n'aime pas le faire, et ce qui en sera même, je verrai ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Au cours de l'église. Tenter de s'abuser de Dieu. Alors, il y a une tête de Dieu, et alors, il y a une tête de Dieu, et alors, il y a une tête de Dieu. Il y a une tête de Dieu. Alléluia. Amen. C'est abusé de Dieu. Élisez le début. Tentez Dieu. Élisez Dieu. Tentez Dieu. Élisez bon. C'est abusé de Dieu. Ouais, élisez le début. Ils ont abusé de Dieu. Élisez le début. Alléluia. Ils ont abusé de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, les gens abusent de Dieu. Mais là, nos uns disent oui, il y a le début. Le début. Il est passé, papa. C'est papa. Il va le faire. Je vais encore faire, je ne va m'arriver. Je vais demander pardon. Je vais prendre 30 jours de jeu. Alléluia. Amen. Mais tu dis que comme Dieu est amour, il ne va pas te frapper. Amen. Toyo, Dieu est ayant un nid. Non, Dieu est si bon pour. Pour manipuler. Tu veux manipuler Dieu? Tu veux manipuler Dieu? J'ai une double vie. Alléluia. Amen. Tu viens? Awa. À l'église. Toi, awa toi. C'est toi qui joues aussi. C'est toi qui joues à celui qui a qui tape sur le péché. Tu tentes Dieu. À ton Dieu, Yahweh est bon. Tu es en train de tenter Dieu. À ton Dieu, Yahweh est bon. Parce que tu penses que Dieu ne peut pas te frapper. Donc, allez le dis-moi, vous voyez ma garo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas me frappé. Dieu est ma roue. Ça ne m'a pas frappé la dernière fois. On va écouter le Dieu ma roue. J'ai encore fait la dernière fois, il m'a refait. L'autre a fait. Mais Dieu elle n'a pas frappé. Elle m'a roué. Tout le monde fait ça. Mais là, pour le bail, Dieu ne frappe pas. Dieu m'a roué. C'est tenté du sang. Et non, il était Dieu et au point bon. Et non, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais là, pour le bail, oh, ça, c'est un petit péché. Oh, il y a d'autres quoi, évidemment. Frère, il n'y a pas de petit péché. Non, vie, il y a d'autres quoi, évidemment. En fait, le point, ce n'est pas le péché que vous commettez. Donc là, là, il y a d'autres émissions. C'est là, en réalité, qui explique. Et là, walolo, où est le timé? Celui qui vole, mais Djadjo, une bouchette d'allumette, mais Djadjo, Djadjo, alléluia, amen. Celui qui vole, mais fille, une bouchette, Djadjo, d'allumette, Djadjo, c'est un voleur, et là, Djadjo, celui qui vole un vœu, mais fini, c'est un voleur, Djadjo, celui qui vole une voiture, mais fille, moto, c'est un voleur, Djadjo, maintenant quand on va le juger, à mon avis, Djadjo, vous les hommes avez dit, il n'a pas besoin d'aller en prison. Dieu là, à mon Dieu, et un zéro pour quoi? Et peu, à Tigny, et à lunettes, à Tia, Tarabou, et voiture, à Timoto, prison, pour le pain, campagne, prison de l'enfer, gant, zomé, gant, c'est pas prison de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Azan et on ne veut pas appeler la décision de Dieu, non. Il y a maintenant, il a dit, il y a oui, wa wa encore. Dieu va regarder. Et bon. À un moment donné, un enfer pour dire bon. Mais là, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Et même bon. Non. Et yo. C'est pas ça. Et même bon. Quand tu rentres, tu rentres. Il y a bien mais à bien mieux. Tu rentres, tu rentres. À bien mais à bien mieux. Parfois, je me pose la question. Non, non, quand on vient, il dit Seigneur. Non, non. Donc l'enfer sera là. Et bien, le zomé le parti sort de l'autre côté.
Comment toi tu vas te sentir? Bon, c'est votre moyen de don pour un petit pain dans vos mots, Yesu Nati. Il ne parle pas création surtout quelque part loin de toi. Mais Yesu Pada, à part une autre zone, est-ce qu'il peut avoir un joueur plein de rédemption encore pour cela? Petit tofli, quand on dévote la voix, t'es dans le moment quand on l'a. Il dit non. Et alors, Béni, c'est pourquoi? Où est-ce que la durée de vie de l'homme est très courte? Et alors, des ans, ben toi, ton père, il a vu revenir à la voix du Seigneur. Non, non, t'es rien, ben toi, ni mon père, il a eu l'air qu'on a eu le Dieu, il a eu le Amen. C'est pourquoi la durée de l'homme est très courte. Où est-ce que la durée de l'homme est très courte? 10 ans, c'est bon. Et non, et bon. Petite, et oui. Portion de l'éternité pour l'homme de se de préparer. Et alors, à part une paix, évidemment, mon bâtiment, avec l'éternel. Ni mon temps voulait à vous. Et l'homme ne veut pas saisir de ça. Bon, mais toi, madame, voulez à s'y connaître. L'homme pense que le petit temps, c'est un grand temps. Mais toi, nous verrons que à s'y connaître, à s'y connaître. Il pense que c'est un grand temps. Oui, nous verrons à s'y connaître. Alléluia. Amen. Il pense que c'est un grand temps. Nous verrons à s'y il pense que oui, il peut. Et non, le reste, il gagne, il gagne. Non, mais. Quand on entre là-bas. Oui, il y a bien donc. Il n'y a plus de miséricorde. Bibé, il doit l'aider à l'antiba. Il n'y a plus pardon. Et donc, Jonah, mon antiba. On va dire Dieu est comment. Mais alors, Dieu est un n'a rien qu'à. C'est pas ce qu'il a pas, mais il se même Dieu. Mais ton droit est. Et t'as dans Dieu, Yahweh. Mikia, au vaisseau qui allait tomber. Alléluia. Amen. Ils insultent Dieu. Et non, sous Dieu, ils ont blasphémé contre son nom. Et non, tu vois de vous. C'est trop tard. Amen. Oh, Dieu, dit demain. Frère. Non, oui. Pendant que tu es encore en vie. Ouais, à Tito, c'est le moment. Asikolo, ouais. C'est le moment. Asikolo, alimentez avec besoin de l'outil. Tu dois encore faire des ajustements. Adonant, God, j'aime ici, nous les brassis. Sous présent, très, très, très important. Et ton pataki, pataki, très, très important. Et ton pataki, tam, et nous serons au ciel. Bientôt nous serons au ciel. Mandemé, bien, Tito, Jésus revient. Jésus, les Kodja. Prends une nouvelle. Et donc, moins d'abelogne. Jésus revient. Jésus le Kodja. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu demandes Santa. Eh bien, t'es bien, oui, faut dire. Jésus revient. Jésus le Kodja. Alléluia. Amen. Nous devons pas tenter Dieu. Mima donnant Dieu y avait bon. Ne tentons pas Dieu par tous les moyens. Mima Dieu y avait bon. Voilà, mais ton peuple. Ce qui est arrivé à Jésus. Mima de wa Jésus, ne wa Jésus. Jésus était conduit par l'esprit au désert. Jésus, pendant qu'il va voir, Jésus soit ici. Naturellement, il a faim, il a soif. Bon. Et ouais, il est là. Il est Dieu. Dieu y avait. Il a rempli d'onction. Et go quoi, mais c'est ça. Pour transformer ceci. Et qu'on en a séduré. Amen. Affûtier. Zoom. Attisser. Alléluia. Amen. Voilà nous. Et Satan sachant qu'il est dans le besoin. Avant Satan, il le aime le cœur de l'homme pour l'amener à faire ça. Et wa, moja kun ni monte basi. Alléluia. Amen. Oui, tu es rempli du Saint-Esprit. Agoku bowe bo. Mais je viens te voir. Mais là nous amoure. Fais-moi ceci. Wale nami. Fais-moi ceci. Salé nami. Plus ceci pour moi. Rodele nami. Alléluia. Amen. Frère. Non, mais tu peux tenter Dieu. Asikante, si oui, avec moi. Obéissant à tout ça. Bon, non, c'est ton âme, mais mon côté, tu as vu Balaam. À mon Balaam. Il a tenté Dieu. Et t'es dit oui, avec moi. Il a tenté Dieu. Et t'es dit oui, avec moi. Parce qu'il a vu des présents. Donc, et moi, à Jolé. Quand on a augmenté encore les sacrifices, les présents. Et il a dit à Jolé, c'est encore. Encore, il a dit non, Dieu va accepter. Et non, nous n'avons pas Dieu, il y en a une idée. Alléluia. Amen. On ne tente pas Dieu. Il me tente Dieu, avec moi. Tu peux avoir tout. Assez grand honnêtement. Et ne pas l'utiliser. Bon, commence. Je vous ai dit tenté de s'abuser de Dieu. Non, mais d'accord, il y a une tête Dieu est bon, il y a une zone Dieu est bon. Tu as reçu l'autorité. Amen. Tu as reçu le ministère. Quand il y a amour, il y a une zone. Le Seigneur veut que tu utilises dans l'humilité. Au coup de Jonah, il y a une zone de mes yeux. Quand tu l'abuses, tu tentes Dieu. Tu parles, tu me dis n'importe qui. Andoro, l'auteur, mais bon. Là, tu tentes, tu flé l'or à ton Dieu, il était bon. Puisque tu t'es mis dans une position, tu sais qu'il y a une position d'autorité. Donc, Dieu est zéro. Ce que tu vas arriver, tu vas arriver. Né adore, Dieu est en bas. Tu as tenté Dieu. Ah, ton Dieu, il était bon. Alléluia. Amen. Revêtez-vous de l'humilité. Ouais, ils ont bébé, ils ont mis, mais zéro, ils ont tout avant. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme ce peuple qui périt. Mais mon taïdi, ton bouen est en couleur bleue. Alléluia. Amen. Je ne peux pas tellement mûrir. Et dans ton gloire, il y a où nous sommes. Ils se sont même révoltés.
Et au fond, vous. Alléluia. Amen. Peu de Dieu. Togumaudon. La vigilance. A Tchédinino. C'est tout ça. Le Nénébo. Le fait de s'éloigner des murmures. Et le Rironan nous ont donné. C'est pourquoi nous sommes dit. Oison, au cours de nos amis. Revenons pour finir, en train de finir déjà. Ménéla Koa. Un Corinthien 10 que nous lisons. Oui, dit encore est-il là dans ta haut, dès qu'il y a mis fini le message. Mais ton fils, on est béton là. Alléluia. Amen. À part le verset 5. Baissons à fort, tonton. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà, ils n'ont pas été agréables à Dieu parce qu'ils ont tous péri à cause des murmures. À cause de l'impatience. Frère, tu dois être patient. Ce que tu demandes là, c'est éphémère. La Bible appelle ça la vanité. C'est la vanité. Nous voulons loin. C'est la vanité. Nous voulons loin. Frère, c'est la vanité. Nos vies, nous voulons loin. C'est la vanité. Nous voulons loin. Sortons de la vanité. Mais tous sont désirant les choses éternelles. Mimi, Dieu, nous tournons vers l'héritage. Mimi, les amis tolèrent là. L'héritage est corruptible. Alors, nous demandons à blé, demandons à charo. L'héritage, notre équipe dans les lieux célestes. Yé d'or, à l'émiton des titres, noté. Là où les vents ne baissent pas. Tiré à Dieu, les mangrins dans la route. Là où les terres, fidèles, et la rouille ne ronge pas. Fidèles, ma cigare, blé, ma cigare, chatelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire tous les jours. Et là, à ça, les pauvres travaillent dans le royaume. Oison d'eau à côté à l'homme. Opère dans le royaume. Oison doit accorder à l'homme. Investi dans le royaume. Zans, dosisan doit accorder à l'homme. Investi dans le. Dosisan doit à son homme. Toi-même investis-toi dans le. Yesu papa zédeu doit à son homme. Alléluia. Amen. Là tu seras agréable. Fleuwe agnon. Si tu n'es pas occupé là c'est grave. Ni amando ne bonowa. Et dans l'église c'est grave. Toi koumé. Et mayon. Parce que tu finis pas murmuré. Tu finiras pas tenter Dieu. Awa tenti avec bon. C'est très important. Bah être au pataki. Frère, tu dois t'occuper pour l'envie à Dieu. Adonai, ce que Dieu vraiment te donne, Dieu est le bon. C'est de te consacrer à son œuvre. Ne Dieu y a un drawer, analyser Dieu et Jonas. Ne sois pas de ceux à qui vient seulement le temps pour s'asseoir sur le banc. Ma Bible, le roi c'est le bon monasti, j'engine le bon mulo. C'est pas bon. C'est mal. Ces gens de chrétiens n'iront pas au ciel. Alors, Christ a mon contre. Je vous dis la vérité. Nous devons nous montrer. Il peut même pas. Et moi, c'est Christ. Il peut pas aller au ciel. Parce que le Seigneur dit avant d'entrer, il faut être couronné. Donc, au cours de la tu as un bion, à grand de Jébaku. Tu dois être couronné. À grand de Jébaku. Tous ceux qui sont au ciel sont couronnés. Et là, mais ton cerveau est faux. Il y a un Jébaku. Tu veux que tu n'aies que les chrétiens de dimanche. Il y a un Christ, c'est bien. Tu vas recevoir. Et là, Jébaku, tu vas aller à l'église. Il y a un Jodi. Tu veux que tu vas à l'église pourquoi? Alors, il y a mais ça. Alors, tu n'es pas. Alors, c'est ça. Dieu. Et c'est tout. Bon, bien. C'est ça sa vie chrétienne. Oui, Bézan, Christian, ton retour. Cette vie ne va pas t'amener. Et alors, Bézan, il va gagner la mystère. Alléluia. Amen. Israël a fait plus que ça. Et alors, Israël a fait aider au gamin. Mais ils ont fini. Amon, Yéfou. Tu dois t'occuper de la maison. Adonan, Dindewa. Faut pas rester oisif. Amadonan, Yi, Ndema, Wato. Si tu restes oisif, le diable va t'occuper. Nya, Yi, Ndema, Wato, Satani. Et toi, Enanzi, Azona, Sia. Il va te remettre le fardeau, le ministère de Mumu. Enanzi, Nounda, Sia, Azona. Alléluia. Amen. Il va te baptiser. Enanzi, Yahweh, Sia. De Mumu. Bon, nous nous devons. Alléluia. Amen. Mets-toi au service. Consacre-toi. Zédewe Nazon. La Bible dit si ces choses sont abondantes en vous. Bébé, nous venons les gonfles là. Nous ne sommes pas oisifs. Ni manaï, ni les noms. Manaï, ni les marathons. Tu n'es pas obligé à faire dire. C'est lorsqu'on a évangélisation que toi tu sors. Ah, mais regarde, on veut beaucoup les yeux. Ni les noms, mais les yeux, ils l'entendent. Alléluia. Et vous? Évangile, c'est pas seulement aller annoncer le retour de Jésus, c'est pas seulement ça. Et là, on est là, il est là, si vous pensez que ça, vous vous trompez. Et là, il est là, il est là, il est là, il est là. L'évangile, c'est l'œuvre. Il est là, à son l'œuvre. C'est la vie de l'église dehors. Et là, au bain, à ton corps. Qu'est-ce qu'on fait à l'église? Et terminons à toi, on soutient l'église. On soutient aussi dehors. Et là, nous goûtons à notre amie. C'est ça, nous goûtons. On prie pour les malades dehors. Mais on roule là autour de notre corps. On assiste les pauvres. Mais on voit le nom, mais mando de folle. Mais mando tolé. Si vous me dites, ça va crier pour la voix. Répentez. Ni répentez, vous créez la mignonne. Je vous dis la vérité. Non, vous me dites. Vous êtes très loin de l'évangile. Mais il y a des dos, mais d'abord, il y a très loin. Il y a des temps.
Dieu a donné à chaque personne quelque chose. Et donc Dieu est né pour le bloc condé dans un temps. Tout cela donne de l'argent. Mais Dieu tient à quoi? Tout cela donne l'intelligence. Mais Dieu tient à nous. Tout cela donne la main. Mais Dieu tient à nous. Tout cela donne la main. Mais Dieu tient à l'homme. Mais Dieu tient à fort. Chaque personne reçoit quelque chose. Mais le bloc condé toujours. Ce que tu as reçu un message aussi. Dieu a moyen zéro de la zone romantique. Et là tu seras agréable à Dieu. Frère et agneau. Si vous voulez aussi nous continuer. Non, moi chaque dimanche, chacun doit venir avec, une âme. Et alors, c'est que le coup de coup, le coup de coup de l'envoi pour aller dans le bobo. Et on dit, on discute. Ah, on va voir celui qui a amené plus d'âme. Bon, il y en a toi, on est fou. Il y en a pas maintenant, rien. Allez, on soit. L'église sera remplie. Bon, on a gagné. C'est ça l'investissement. Et alors, où est-ce qu'il mène? Il y a une belle. Quand vous amenez une âme à l'église, il y a une âme à l'église. Quel est-ce que c'est des. Je sais pas comment dire ça, mais on a un mal de l'homme. C'est des investissements hyper colossaux au ciel. Et alors, nous, on a gardé le rêve. Allez, allez. Parce que, donc, cette âme que tu as amenée, allez, donc, il y a des au ciel, on prend le livre d'or. Ton cerveau, ton ménage, au ébola. Et il écrit. Dans le livre là, c'est le cœur du Seigneur. Et alors, ouwe bolo, aïchad. Son cœur. Et donc, quand il y a ton main. C'est pas il va dire à quelqu'un une église ouais, pas non, non, de la l'Odyssée, tu te vomirais. Non, ça va jouer. Je te sortirai. Donc, si Jésus vomit quelqu'un, il est sous. Il ne peut plus récupérer la personne. Et maintenant, quand on vomit, est-ce qu'on peut ramasser encore? Ben, il est sous, il va tomber loin. Allez bien. Amen. Ce qui est désagréable, Dieu vomit ça. Dieu les a vomis dans le désert. Au coup, on souillé. Donc, ouais. Ils ont vomi, ils ont rejeté. Et souillé. Et bien, quoi, et quand Dieu rejette, il ne prend pas. Hein. Avant, vous voyez, Dieu y a oui. Parce qu'il prend tout son temps pour rejeter. Donc, Eloi, à ce qu'on a dit, on a monté. Ben. Alléluia. Ah, hein? Or, ces choses. Vas-y. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comment ils en ont eu. Vous avez vu? Moi. Tout ce qu'on a eu on a tout à l'heure. Né qui allait beau. Tout ça là. Le de la vie. C'est pour nous servir de ça. Et là, monté, yi, à pas ça est arrivé, eux, ils ont payé le prix. Et wa, non, elle est sous allé. Ils ont été des cobayes. Il est allé, exemple. Alléluia. Amen. Pour que nous là, non, mais où nous n'ayons pas de mauvais désirs. Mais les mimado, drogue, à gole, mauvais désirs. Il est de drogue. Ils n'ont pas aimé les choses du ciel. Il est maillot maintenant, c'est quoi si ils se sont préoccupés des choses de leur vie. Il y a très d'eau à temps. Et ton laissez-moi. Vous pensez maintenant, qu'est-ce que les enfants vont manger? Oui, à Yesu, à Colilo, et il n'y a rien à la maison. Ah, ne m'en fous, oui. Voilà, papa n'a plus donné de l'argent. Ah, papa, maman, c'est quoi, Yoba? Papa est parti depuis. Papa y est. Ou bien depuis que je viens à cette doctrine. Ah, vous êtes bon, bien, mal, mais je ne sais même pas. Mais tu as eu des trucs à manger maintenant. Maintenant, on est en demi-té. Ce message de concert, on vient de voir. Oh, il est souvent, et il tue, mais voilà. Il dit, il ne faut pas avoir ce désir. Mais les mandos, tu veux mon contrôle bleu. Non. Et oh. Il ne faut pas avoir ce désir. Mando, tu veux mon contrôle bleu. Tout ce que tu recherches. Ne dis pas, tu l'as répondu. Ça finira. Et non. Allez, ça finira. Et non, faux. Pas fini. Et fond. Du coup, Ado, tu peux étudier. Ado, tu veux avoir des diplômes. Ado, tu veux avoir des bases. Tout va finir. Tout va finir. Amen, il est pour l'info. Tout va finir. Elle est pour l'info. Tout va finir. Elle est pour l'info. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Non, on va pas avec Léon. Parler à certaines personnes. Là, on a mené. Vous savez, Miguel. L'école. À son main. A bientôt fini. Elle est pour Madeleine. Ça vous l'école. Et vous pouvez garder. L'école. À son main. Va bientôt fini. Elle en faut ma demain. L'université là. Bon, dis à l'avant. Va bientôt fini. Elle en faut ma demain. Je vais vous expliquer. Nati, mesdames. Vous savez, bien. Si peu le temps. Nimi, Yasigo. De regarder le monde. Vos points à Iron. De regarder l'évolution du monde. Vos points à Iron. Vous allez voir. Mesdames, toutes ces choses pour lesquelles vous gênez. L'un est la peau de haut, tout le monde va y aller. Elle en bouaille. Il y a des gens qui ont appris des métiers. Mais des types au croisement. Ils ont été formés à l'université. Bon, il est mort. Pour des bons. Il est mort. Pour les sont là en voie de disparition. Et mon employé, ton azomé, à moi, B. C'est faux, c'est vrai. Azomé, il est mon voie de Tiba. C'est faux, c'est vrai. Nous, on est quand même. Ces petits sont en voie de disparition. Et alors, azomé, il est mon voie de Tiba. On se dit, mais pourquoi je suis à l'école? Voilà, quand même, il était tombé à Azomé. Ah, les gens ne veulent plus l'important de lui. Mais là, il est mon voie d'amour. Avec la technologie, avec l'accélération technologique, avec la robotisation, avec la mondialisation. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines. Et là, à un moment donné,
La main d'œuvre à l'homme ne sera plus demandée. Alléluia. Amen. Alors nous avons des robots. Mais les gens peuvent avoir des entreprises et avoir des robots au service. Mais là, c'est Gando, Azongwe, bon, robot les rendez-vous. Vous allez à l'école pourquoi? Bah, tester à son même yahoo. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je crois. Et ça, nous demandons. Revoir ta stratégie. Annie Gopmon, ni nettoyer. Tout ça, à quoi l'idée de nettoyer pour avoir. Tu t'es gêné pour rien. Awa Diana, tu as gêné pour rien. Abla, non, tu as gêné pour rien. Tu as fait. Aplon, oui, annoncé, non, ne peux pas pour moi. Tu pouvais faire gêné pour le ciel. Ascorin, annoncé, bon, bla, non, non, c'est vrai. On dit non. Voilà, les Africains. Et ils ne connaissent que la Yolaine. Ils ne connaissent que la religion. Et donc, si c'est déjà un peu. Et bien, il y a donc ou non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui me fait rire, c'est que les gens ne comprennent pas. Oui, non, mais les gens ne comprennent pas. Regardez bien. Mais quoi, Gandhi? Les pays que nous pensons aujourd'hui, les pays les grands, développés, modernes, avec des infrastructures gigantesques, tout ça là. Mm-hmm. La dernière fois, il y avait un phénomène naturel. Catastrophe naturelle. Et alors, nous, plus torrentiels. Et alors, je vois des maisons disparaître. Je vois des ponts disparaître. Je vois des routes disparaître. Devenir des ruines en un instant. Et les gens nous disent des dizaines, des centaines d'années pour partir. Mais les il a fallu quelques secondes pour que tout ça. Voyez là où le monde va. Mon fils, Aéron Jay. Perdition. Aéron Jay, auto-destruction. Et donc, Aéron Jay, viva soumet. La Bible ne suivait pas le train. Libé, il dort, mais Marodo, oh, non, Aéron, ne suivait pas le train du monde. Marodo, non, Aéron, quand le monde vient aller à gauche, Aéron Jay a Miomi adouci. Alléluia. Amen. C'est ça notre attitude. Et donc, voilà, mais on peut nous traiter de tout ce qu'on vient. Grand, dans Rodé, Dieu, il est pour le coup. Emmanuel. Alléluia. Amen. Nous, on va bâtir des routes au ciel. Mais les bien pas à Yolé de Serbie. Alléluia. Amen. Nous, on va construire des maisons au ciel. Mais les bien pas pour le Serbie. Si pour le ciel n'existe pas. Non, non, elle est au Serbie de Matin. Pour nous, la terre n'existe pas. Non, mais les aïe de Matin. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être influencé par cette mentalité. Parce que. Il y a cette philosophie qui est en train d'entrer un peu dans la chrétienté. Et donc, nous, les mêmes contrôlés, qui vont être saisis ou à l'enlève bien. Alléluia. Amen. Et on a commencé par avoir des raisonnements scientifiques. Oh, la Bible dit que Dieu va tourner la sagesse des hommes en folie. C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur. C'est vrai. Je ne regrette rien. Vous savez, au début de mon appel, je n'étais pas content avec le Seigneur. Parce que je devais préparer ma thèse. Le Seigneur va me bloquer. Bon, beaucoup n'ont pas soi, il y a un peu tu ne fais pas ça. Ah non, tes frères, il y a pas de l'envoi. Ça m'a tellement énervé. Et ben, ami, bon. Mais à un moment donné, avant toi, assis côté, mais le diable dit ça, c'est là, il y aura de l'envoi. Non, hey, yo, c'est important pour toi. Et ton bâtard qui vient là, au moins, ton nom va rester. Oh, il y a tout un abeti. Alléluia. Amen. Même si tu n'existes pas là, et ferme tes atibas. Ton nom va rester parmi toi seul. Et le chef va me dire, bon, pour la mienne. D'accord, ton va rester. Oui, de la mais le monde sera détruit. Amen. Aïe, on a blé. Alléluia. Amen. Ton va rester, mais le monde sera détruit. Oui, de la tine. Amen. Aïe, on a blé. Et il va me dire, voilà, de la d'accord. D'ailleurs, tu as ce que tu veux. Adolf, Nédia. Ce que je vous dis, c'est réel. Nédia, mais t'es là, mon beau de tu as ton diplôme. Adolf, qu'on demande. Tu as ton doctorat. Adolf, qu'on demande. Maintenant, dis. Si tu as ça, garde-le. Est-ce que c'est laissé passer pour ton venir au ciel? B, anyway, aïro, mounde, aïro, il s'est voyé. C'est là le ciel va me faire vivre une histoire horrible. Fleur, au courant, que mes bonhommes, not bon. J'ai deux amis. Au thé de main. Nous devons toi, oui. J'ai deux amis. Nous devons toi, mes égards. On s'est entendu qu'on allait vraiment bâtir quelque chose en Afrique. Mais qu'on, donc, mais pas bonhomme, mais non, banda. Quand on était encore, mais il y a eu des gens. Oui, on était des gens. Bon Dieu à l'avant. Alléluia. Amen. Et quand on a fini, madame, il faut quelqu'un aller au Sénégal. Nous le voyons au Sénégal, Thomas.
Une autre personne allait au Canada. Mais les voyez, Canada c'est où? Moi, je suis resté ici. Mais non, vie. Parce que je me suis inscrit dans une formation. Et bon, celui qui est à Dakar, mais au Sénégal, non? Il a fini, il a été embauché dans une des structures de la Banque centrale. Il a fait exactement quelque chose de 5 mois, quelque chose. Ben, ils sont à temps. Un matin, on m'appelle pour dire que à fond des Iromi, mon ami est décédé. C'est que je refuse de croire. Il ne peut pas mourir. C'est le jour où on a rapatrié son corps, son sécurité. Et alors, Azan est blessé, sur et trois filles, ou un homme. Et là, mon rêve a été brisé d'abord. Fleur est droite et bas. Alléluia. Amen. Alors qu'il avait affiché sa formation. Et alors, on faut, ou est-ce qu'il peut on avait dit qu'on allait chacun aller venir avec ses compétences. Et alors, le coup, on a wako, le coup, on a wako, on a wako, on a et. Bon, vraiment, ça m'a donné un coup de dessus dans la vie. J'ai dit, mais. Et il n'est pas au romitan. Pourquoi on s'est tout le temps gêné? Bon, moi, quand même, il était autour, mais Ado, il y a un millier de temps. Je me rappelle la nuit, parfois même, on va rester du bain sur le campus. On va finir, on va dire, mais non, on va étudier fatigué. Bon, on va voir, bon, on peut dire la vérité. Quand je parle d'études, ni non, Ado. Chaque génération a ses études. Nous, bon, encore, on a vraiment étudié. Edo, oui, tu connais, on a vraiment étudié. Mais pour nous, bon. Alléluia. Amen. Ça a été un coup très dur pour moi. Et il n'est pas au Romitam. Cet ami-là, quand je vois l'image, ça me fait mal. Et c'est pas fini. Vraiment faux. Alléluia. Amen. Donc, je dis, c'est pas grave. L'autre, on va continuer à échanger. Moi, de la manière, n'a pas été au Canada. Et la fille a soutenu son diplôme. Bon, il est rentré au pays. Bon, voilà, Benetodi. Et il a été recruté au niveau de la cellule de politique de l'Assemblée nationale. Bon, il est Assemblée nationale est à son roi. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je vais apprendre? Bon, était là, c'est. On m'a pas appelé. Et moi, il a mis. J'ai vu sur Facebook. Mon il a Facebook dit. Des pleurs. J'ai dit, c'est quoi? À Villers, non, était. Et c'est là que je vois mon bon, boss. Bon, bon. Que le frère dit. Non, mais il a un autre roi souvent pour. Je peux me dire, c'est rien, hein? N'est-ce pas, mais il me prend mon modèle. C'est là que j'ai dit, Seigneur. Bon, non, cool, non. Je veux plus aller à l'école. Maman dit à son même. Alléluia. Parce que. Donc. C'est la fin. Elle a fait fort. C'est ce que je cherche. N'est-ce pas, mieux au moins. Ils ont souffert. Ils ont dit, attends, pas. Ils sont aujourd'hui. Tu t'es aimé sur la terre. Et ton corps. On les a déjà oubliés. Et qu'on m'a épi. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur. Non, coudons. Aujourd'hui. Eh bien, diplôme là, c'est fini. Coudons. Et pour. Je dois même pas des relevés sur lesquels ils disent, je ne veux pas. T'es donné. Oui, c'est un don. Tu es donné un gâteau. M'en t'es dit. Oui, Nami. Alléluia. Amen. C'est comme ça, j'ai. D'où. Moi, ouais, un beau goto. Sinon, je suis en train de discuter. Donato, il y a des gens. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit voilà. Bon, grand toi. Alléluia. Amen. Désormais, personne ne me servit. Ensemble. Je dis, bon, non. C'est là que j'ai compris. Frère, mon il y a un homme de Dieu qui m'a donné une parole. Et alors, mais cet homme m'a donné une parole. Cette parole m'a tellement. Au roi touché jusqu'à aujourd'hui. Et sort, mi caca, il m'a dit. Et dans la mine. Tu es recruté. Yeyiwe, dans la plus grande entreprise de l'humanité. Azonwe daro de tito ayonolo le plus grand patron. Bon, au grand daro bibi 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 au grand daro bibi 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 bibi. Non, tout est fini. Ministère pour la vie, pour la mort. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous inviter. Où est-on, Diagrami? À ce que non, vous ayez cette vie de consécration. Ministère. Mais ils avaient pris tout ce temps. Ni les assez connus là pour avoir des diplômes au ciel. Bon, monter le coup de main, tu sais, oui. Attendre. Coup de main, les. Et là, voilà, il est au temps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite. Où est-ce que il a mis à ne pas écouter la voix du monde. Non, mais il m'a dit, ayons aussi des l'homme. À ne pas écouter la voix de gauche à toi. Non, mais il m'a encossé. À rester au fédé, tu y es. À rester concentré. Mais toi, tu es dit sur le ciel. Donc, serveur a dit.
le ciel existe pour nous. Si pour le moment le ciel n'existe pas, non, la terre n'existe pas. Alléluia. Amen. Amen. Mm-hmm. Ne devenez point. Ne devenez point idolâtre, comme quelques-uns d'eux, selon qu'ils s'assirent pour manger, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'idolâtrie. Alors, avant d'idée, nous si c'est vrai. C'est de l'idolâtrie. Nous si c'est vrai. Ceux qui s'asseyent. Mais l'ancien, hein. Et se divertissent. Bon, toi, on est. On peut se divertir de plusieurs manières. Il y a grand d'un mois, alors, parce que. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons. Et la mère a mis tes lèvres. Et qui pompe notre temps. Alléluia est une idolâtrie. Et alors, vous si c'est vrai. Parce que donc, pour certains, le temps, c'est de l'argent. Le temps est notre Dieu. Le temps est très cher. Le temps est un élément d'adoration. Et alors, aujourd'hui, les hommes sont pressés, les hommes n'ont plus le temps. Ils se lèvent le matin, ni un fond à fond à son Dieu. Alléluia, il rentre très tard la nuit, le lendemain il se prépare encore pour le parti. Écoute derrière le temps. Alléluia. Amen. Ça c'est de l'idolâtrie. C'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui doit occuper notre temps. Donc nous devons faire attention. Oui. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous avez vu? La vigilance. À qui on dit? Droit du vigilant. Maintenant, dans qui on dit? Des lois de l'impudicité. L'impudicité. Nous coucou Dieu les voit. Forcément, coucher avec une femme. Emma est dedans. Ada adoroko non debo. C'est pas forcément ça. Emma est dedans. Alléluia. Amen. Ici, c'est un langage spirituel. Et là, au robe, il doit mettre les mains en vie. Le fait même d'être nourri à plusieurs sources. Alors, on va finir ici maintenant le soir. Il va rentrer maintenant. Il sera capté sur en train d'écouter un faux pasteur. Il faut finir. Et diable tombé. Et en ta télévision, maman prophétesse, c'est dit, on est. Ça, c'est de l'impudicité. Et à Galilée. C'est de l'adultère. À Galilée. N'est pas fidèle. Maïtobedi. Alléluia. À la parole. Non, voilà. Et c'est ce qui fait que parfois, certaines personnes ne pourront jamais guérir. Mais direct, il y a un gamin à son égard. Jamais délivré. Il y a un gamin au tout. Parce qu'ils sont infidèles. Bon, il y a un tobedi. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Oui, on a déjà dit ça. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà la conclusion. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà. Voilà la conclusion. Si tu es à terre, ni à toi, Iba. Lève-toi. Titi. Alléluia. Amen. Ce que tu as entendu. Ni assez. Tu dois savoir que. Adonai Edo. Je sais, tu recommandes la vigilance. Au coulant, Antonio, à Tchédi, notre vigilant dans tes pensées. À Tchédi, Nino. La vigilance dans ce qui sort de toi. À Tchédi, notre robe, et ton ami. Vigilant dans ce que tu regardes. Attendez nos tondes moi à tes lèvres. Vigilant dans ce que tu entends. Attendez nos tondes si à tes lèvres. Vigilant là où tes pieds vont. Attendez nos tondes à toi fois des dos. Vigilant de ce que tes mains font. Attendez nos tondes on est à l'autre lèvre. Tu dois être vigilant. Quoi l'autre lèvre? Adonai toi attendez. Alléluia. Amen. Tu dois être vigilant. Mi donato attendez. Parce que le diable l'adversaire. Donc étant il connaît le ciel. Ayons servi. On est bien le ciel. Et nous serons Gandhi. Alléluia. Amen. Et il va tout faire pour empêcher les enfants de Dieu. On a gloire ceux qui vont se détacher de Dieu. Maintenant, clançons Dieu. Il y a le sud dans la voie de la rébellion. Et là, mon terre redoué dans la voie de la perdition. Donc, le message que vous avez reçu sur moi, que cela soit gravé dans votre cœur. Que cela, chaque fois, vous rappelle la route que vous avez prise. Cette route, il y a des comportements qu'il faut avoir. Et voilà, pour
ces comportements, ne vais parler aujourd'hui de la vigilance. La vigilance. Alléluia. Amen. La vigilance. Lève-toi et acclame le Seigneur. Pour reprendre Jésus.